Naï, le temps passe vite. Mm-hmm. Si on t'avait dit que Eddie Kemé est resté pendant 5 ans chez son boss, tu le crois? Non, pas du tout. Vraiment pas du tout. Ce monsieur viendra-t-il encore? Ça fait déjà un bon moment. Je m'interroge. Naï. Bienvenue, monsieur. Tonton, bonsoir. Je vous salue. Eddie Kemé. Hein? Mais qu'est-ce qui retient encore ton patron? Il sera bientôt là, monsieur. Il sera bientôt là? Oui. Tu sais que j'ai déjà perdu beaucoup de... Je suis vraiment désolé, monsieur. Mettez-vous à l'aise, il sera bientôt là. C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. Je savais très bien qu'il ne viendrait pas tôt, mais tu nous as demandé... Je connais ce grand homme. Il sera bientôt là. Je suis sûr qu'il... Non, il sera bientôt là. Nous l'attendons toujours. Ok, monsieur. J'espère que ma mère s'est bien occupée de vous. Oui, nous avons mangé. D'accord. Nous avons mangé. Ça fait un moment que nous sommes là. Que faisais-tu tout ce temps? Monsieur, j'étais à l'intérieur. J'étais occupée. Naï, j'espère que tout va bien. Nous sommes fatigués d'attendre aussi longtemps. Non, ne vous inquiétez pas. Un peu de patience. Mais vraiment, j'ai trop mal. Dis-moi, Eddie Kemé, tu es sûr qu'il viendra toujours? Mon boss viendra toujours. Maman, ce repas spécial que je t'ai dit de faire pour lui, j'espère que c'est prêt. Oh non, Gosso. La sauce est née pour maman. S'il te plaît, maman. Chose celle-là. On mangerait bien encore avant de partir. Pas de problème, monsieur. Ce repas est très délicieux. Commencez d'abord par ces... On est en train de boire. La suite arrive. Permettez-moi d'aller voir les colas. Ok. Après tout, dès qu'il arrive, je les apporte. Maman, je vais te dire quelque chose. Tu sais que... Ok, c'est bien. Naï. Eddie Kemé. Pas. Va vérifier. Mon patron est là. Va vérifier. C'est enfin. Peut-être, mais c'est lui. Ouais, il est là. C'est lui. Entrez, monsieur. Ah oui. Lydia, qu'on c'est bien lui. C'est très bien. C'est très bien. Bienvenue, monsieur. Je vous ai dit qu'il viendrait. Monsieur. Oui, monsieur. Très bien, monsieur. C'est ton jour. Oui, monsieur. On dit bienvenue. Sois le bienvenu. Oh, aujourd'hui, c'est le jour. Maman, le jour de la récompense. Oui, monsieur. Mais ça fait un moment qu'on vous attend. Je suis vraiment désolé. Beaucoup d'activités. Ok. Maman. C'est bon, ça. Maman. Puis c'est Dicky qui a besoin d'apporter les colas. S'il te plaît, apporte-les. Apporte-les colas. Monsieur. Bienvenue. Ok. Très bien. J'ai tout apporté. Monsieur. Aujourd'hui, je vais le récompenser. Bienvenue. Maman, Dicky. Bienvenue. Bienvenue. Je suis content. Monsieur, c'est votre plat préféré. C'est-à-dire la sauce inaugurée. Oui, c'est ça. Oui, monsieur. C'est mon plat préféré. J'aime beaucoup cette sauce. Vous nous en étiez boisés, Bibi. Moi, on va partir avec votre cola. Ça, c'est ce que je veux. Moi, Bibi dit non. Mais donne-moi une, je vais la goûter. Voilà, ça m'aurait vraiment étonné. On dit Roro. Ouais. Tu es aujourd'hui, je vais le récompenser. Parce qu'il m'a servi fidèlement pendant 5 ans. Vous savez, le principe est simple. Puisqu'il m'a servi, je vais le récompenser. Le récompenser. Tout à fait. Merci beaucoup. Monsieur. Sa fiancée, non? Formidable. Sa future femme. Ok, tu l'as. Que ta mère est une experte. Tu peux te servir, ma mère. Tu peux te servir. Naï, puis-je m'asseoir? Oui, tu peux t'asseoir. Assieds-toi. Donc, aujourd'hui, c'est le jour de ta récompense. Oui. Et aujourd'hui, maman, tu verras une récompense unique. C'est très bien. Hé, Eddie Kemé, il me plaît. Merci, monsieur. Olugusu. Demande à ton fils. Je suis parti de un pays très lointain. Question nourriture. J'ai voyagé pour un zapata, juste pour manger la saucisse. Nous, maman, les étoiles,
Il sera récompensé aujourd'hui. Ouais. Il m'a servi pendant 5 ans. Ça, c'est vraiment un jour merveilleux. Tu l'as dit. En ce jour que les dieux établis, nous devons être contents. J'ai adoré ce repas. Je le confirme. Quel repas! Il avait l'habitude de me le dire. Que tu es une excellente cuisinière. Je le sais. Hein? Je le sais. Je suis si content. Merci. Et je crois que tout est dit. Oui. J'ai mangé mon repas favori. Ok. Maintenant, c'est le temps de la récompense. So, la récompense exceptionnelle. Permettez que j'aille apporter sa récompense. Allons-y. Chers amis, voici ce que j'ai pour lui. Hein? Je veux utiliser cette fille pour le récompenser. Une fille? Oui, cette fille, c'est ma deuxième femme. La deuxième parce que la première était décédée. Et j'avais besoin d'un enfant garçon. Sérieusement, j'ai dû, vous savez, l'épouser pour une maison pleine d'enfants. Et j'ai pris soin de sa famille. Je me suis chargé de tout. Vous savez, en fait, malgré tout ça, Ejike a trouvé que la meilleure, vous savez, des choses qu'il avait à faire, vous savez, de profiter d'elle. Et en ce moment, vous la voyez, elle est enceinte de lui. Alors, la meilleure des choses que j'avais à faire, c'est de la lui donner comme récompense. Oui, vous comprenez? Parce que malgré toutes les bonnes choses que j'ai faites pour Ejike, il a trouvé que la meilleure des choses à faire était de profiter de ma femme. Mon oncle, il y a quelque chose que je veux te dire. Je t'écoute. J'ai remarqué quelque chose entre Ejike et votre femme. Oui, 32 pouces. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu insinues? Que veux-tu dire? Tonton, je ne sais pas ce que je peux dire de plus, mais je vous préviens d'ouvrir les yeux. Non. Est-ce que tu essayes de dire qu'il a une liaison avec ma femme? Clara? Je ne sais pas. Je regarde seulement. Je dis, de toute façon, je reviens. Payez-vous comptant. Monsieur, votre verre d'eau. C'est bon pour moi.
Donc, chers amis, vous pouvez voir que je n'ai rien fait de mal. Né bonne le loki ogeli. Ejike, prends ta femme. Hein? Je te récompense d'une très belle femme. Elle vaut plus que des millions. Hein? Alors, profite de ta femme. Ngwende mulobo. Encore des. Pas vrai. Monsieur, Clara. Monsieur, s'il vous plaît, non. Rejoins-toi. Hein? Monsieur, s'il vous plaît. Aimez vous croire que s'il vous plaît. Si j'étais si méchant, j'aurais tué ton fils. Amaroin, je l'aurais. Ah. Je suis fini. Oh. Oh non. Oui. Oh non. Comment est-ce que je fais? Monsieur. C'est une honte. Éduqué. Non. C'est pas croyable. Éduqué, non, non, non. Quelle journée. Éduqué, non. Oh. Éduqué. Dégage. Allons-y. Éduqué, mais. Allez, viens chercher ta récompense maintenant. Il n'y a plus rien d'autre à faire. Tu l'as dit, il n'y a plus rien à ajouter. Ah, il faut nier, tu crois. Éduqué. Calme-toi. Ça va aller. Keine Beguenu, le nénène, voilà ton paquet. Ramasse ton paquet. Ah! 5 ans! Ignotant-moi. Et tu qui m'a fait ça? Hein? Nous étions heureux. Dieu merci, j'ai mangé avant tout ça. Nous étions pourtant fiers de lui. Éduqué. Éduqué. C'est vraiment très mauvais. Tu m'as fini. Non. Tu mens. Quel jeu fou. Quel embarras. Hey. Celui sur qui nous avons compté. Éduqué, pas dans cette maison. Yoba. On est Tiko Nagirme. Oremazurim. Pourquoi est-ce que tu crées? Anofia. Quelle récompense. Éduqué. Qu'ai-je fait? Pico, qu'ai-je fait pour mériter cette humiliation, hein? Qu'ai-je fait pour mériter tout ceci? Quelle récompense. Je pars d'ici. Allons-y. C'est une déception. Non. Éduqué. 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 T'entends. Oui, oui, oui. Encourage, d'accord. Écoute-moi, Manu, à quoi ça? Arrête de pleurer, petit. Éduqué, qu'ai-je fait pour mériter ceci? Éduqué, tu m'as tué. Éduqué m'a tué. Oh. Yama, arrête de pleurer. S'il te plaît, ça va aller. Éduqué, comment tu peux? Pourquoi as-tu causé ce genre de honte à cette famille? Coucher avec la femme de ton patron, au point de la mettre enceinte. Qui fait ça? Hein? Regarde ta pauvre mère. Depuis ce jour où ton patron a ramené sa femme comme récompense pour les services que tu lui as rendus, ta mère n'a pas arrêté de pleurer. Et je sais que ton père, dans sa tombe, est aussi très déçu de toi. Tonton, je suis vraiment désolé. Ce n'était pas intentionnel.
Oui, qui est-ce? Entrez. Madame. Madame, qu'est-ce qui se passe? Edike. Il m'a encore frappée. Encore? Mais pourquoi le patron fait ce genre de choses, non? Ce n'est pas juste. Parce qu'il sait que je n'ai personne. Peut-être. Parce que je ne signifie rien pour lui. Il me frappe. Il se sert juste de moi. Hey. Il ne m'aime pas. Il ne m'aime pas. Écoute, essaye juste de faire avec. Hmm? C'est vrai que le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire. Hmm? Mais ça, c'est pire que le pire. Pire que le pire, Edike. Je suis fatiguée. C'est bon. Ah, je suis fatiguée, je n'arrive même plus à pleurer. Ça va aller. Je n'ai plus de force. Arrête de pleurer. Je ne veux plus rien. Tu sais que je n'aime pas te voir. Mon Dieu. Hein? À force de pleurer ainsi, tu tomberas malade un jour. Je n'aime pas te voir pleurer. Désolée, hein? Je suis si fatiguée. Désolée. Mais non, laisse-moi pleurer, je veux... C'est bon, ça va aller. Tout va s'arranger. Je suis fatiguée. Tout ira bien, hein? Je suis fatiguée, j'ai plus de force. Edike, j'ai plus de force. Calme-toi. J'ai tout perdu, tout. Calme-toi, ok? Tout ira bien. Tu es sûre? Oui. Comment? Très bientôt. Tu m'expliques? Très bientôt, mon patron va me récompenser. Hmm? Dès qu'il me récompense, je ferai tout ce que je peux pour toi. Sois calme. Je te le promets. Edike, je te ferai partir. Merci infiniment. Je ferai tout pour toi. Je n'aime pas te voir triste. Hmm? Merci. Tu dois juste être fort. Donc, supporte. Je te l'ai dit, très bientôt, il va me récompenser, ok? Hmm? S'il te plaît, arrête de pleurer. Essuie tes larmes. Hmm? Tout va s'arranger. Je fais tout ça pour toi, je te le promets, tu n'auras plus à le vivre. Ok? Tu es sûre? Je promets, je ne t'abandonnerai pas. Hein? Oui. Je suis venue aujourd'hui à la maison juste pour te voir, pour savoir si tu vas bien. Ok? Tu me fais confiance? Promis? Je promets. Croisons les doigts. Ok? Je ferai tout pour toi. Ok? Non. S'il te plaît, arrête. Allez, viens. Non, je ne peux plus le refaire. C'est une erreur. S'il te plaît. S'il te plaît. Désolée. Je suis désolée, ok? Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je me sens si seule. Je me sens... Désolée. Ferme ta gueule! C'est très idiot de penser ainsi. Très, très idiot! À qui donnes-tu ces excuses bidons? Ce n'était qu'une seule fois, Manon. Aaron Watson, Nounye. C'est une fois qui a conduit à la grossesse. Tu ne pouvais pas te maîtriser. Tu ne pouvais pas résister. Tu dis que ce n'était qu'une fois. Ok, laisse-moi t'applaudir parce que tu as bien fait. Hein? Tous tes 5 ans de service rendu à cet homme, ce n'était que pour coucher avec sa femme. Idiot. Eh bien, laisse-moi te l'expliquer de la manière la plus simple. Ce que tu as fait apportera le malheur dans ta vie. Sache que tu as invité la pauvreté. Tu n'as pas de travail. Bref, tu n'as rien. À présent, tu as mis une femme enceinte.
N'importe quoi, je pars d'ici. En plus, il me fait perdre mon temps à venir écouter ces bêtises. Édiqué. Édiqué, comment as-tu pu me faire ça? Hey, je suis fini. Hey, par où je commence? Par où je commence, Édiqué? Après t'avoir attendu pendant des années. Donc c'est comme ça que tu me remercies. J'ai rejeté tous ces hommes juste à cause de toi, Édiqué. Et tu choisis de me trahir de cette façon. Que vais-je devenir maintenant? Ah, tu m'as fait ça. Ah. Oh mon mec. Enfin, je peux me reposer. Ce n'est pas facile, hein. Oh, à quand la fin de ce stress? À quand la fin de ce stress? Ah, Édiqué, je suis si heureux pour toi. Bientôt, tu me laisseras avec ce stress quotidien. Ah, Édiqué, si je pouvais être à ta place. Ah, mon Dieu. Mon frère, j'ai payé mes dettes. Ah, je paye aussi les miennes, mais pour combien de temps? Il le faut. Je compte le don. Je pense qu'il reste 3 ans. 3 ans. 3 ans, c'est pas 3 jours, mon frère. 3 ans, c'est pas 3 jours. Ne t'en fais pas avant que tu t'aperçois. 3 ans passeront. Ok, sois juste patient, ok? Je suis si heureux pour toi, oh. Oui, je suis si heureux pour merci, toi. Merci, mon frère. Ah, Madame Clara va te manquer. Je sais que c'est ta meilleure amie. Ça ta bestie. C'est ça. Ta bestie. Tu vas beaucoup lui manquer. Je comprends, mais que puis-je faire maintenant? Tu sais, je dois aussi construire ma famille, non? Hein? Ah, Édiqué, ne m'oublie pas. Oh. Jamais. Ne m'oublie pas. Oh. Je promets. Investis sagement. Investis sagement, ok? Investis sagement, car quand le patron m'aura récompensé et qu'il m'aura donné ce qu'il a à me donner, je viendrai vers toi pour que tu m'ajoutes un surplus. Tu sais que tu es mon pote. Non, tu sais que c'est toi qui dois m'en donner. Édiqué, laisse tomber, mec. Tu sais quoi? C'est mon argent qui est meilleur. Oui, c'est mon argent. Mais oui, c'est ce que je pense. C'est la vérité. Dis amen. Dis amen. Dis amen. Dis amen. Oui. Eh, hey, Seigneur, t'en fais pas. Amen. Il le fera. Mon pote, allons nous apprêter avant que cet homme se mette à crier. Avant qu'il n'écrit. Éduque. Polo. Passez. Ah. Comment tu vas? Je vais bien. Tu n'as plus voyagé? Ça fait un bon moment que je t'ai pas vu. Mon frère, le travail, oh. il faut vraiment que je m'occupe. Alors, ça va? Mon pote, je suis là. Que fais-tu seul à la maison? Qu'est-ce qui se passe ici? Rien de grave, Bijou. J'ai appris ce qui s'est passé. C'est vrai? Mon frère, c'est vrai, oh. Mais c'est la vie, non? Que voulais-tu que je fasse? J'ai eu peur pour toi, oh. Honnêtement. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Rien. Je cherche du travail partout. Je n'en trouve même pas un. Les choses sont très difficiles. Et il faut que j'aie un boulot pour pouvoir m'occuper de ma famille. Tu sais quoi? Je parlerai à mon boss. C'est notre directeur. Hein? Oui, dans mon lieu de service, je lui parlerai de toi. Tout ce qui te concerne, il verra s'il y a une place libre pour t'introduire. Je ne sais vraiment pas quoi. Si tu le fais, j'en serai très heureux. Je le ferai pour toi. N'oublie pas, s'il te plaît. Oui, je le ferai pour toi, t'es mon pote. Merci. Hein? Tu sais, te voir rester là, ne rien faire, ça ne me plaît pas. Je parlerai de toi, mon boss. Merci. Puis infiniment. Je te reviendrai. Ça me touche. Alors, mon frère, merci. Mets-toi en prière. Il y a de la place. Merci. Dieu te le rendra. Amen. Je n'ai vraiment pas grand-chose à t'offrir. Je ne suis pas ici pour que tu m'offres quelque chose. Oh. Parce que dans ta situation, c'est moi qui suis censé t'offrir quelque chose. Même si c'est de l'eau, laisse-moi t'en. De l'eau? Non, j'ai pas soif. Non, je suis au mieux. Ah. Alors, quoi de neuf? Tu ne t'amuses pas aujourd'hui? Non, frangin. Tu veux me faire sortir. Je n'ai pas d'argent.
Mama, bonjour. Ferme-la. Cette sale chose que tu appelles bouche, ferme-la. Regarde-toi. Tu penses que tu peux te comporter dans cette maison comme celle de ton mari? C'est ce que... Tu me vois? À présent, laisse-moi te dire. Tu vois celui qu'on appelle ton mari, éduqué, hein? Il n'a rien dans cette concession. Tout ce que tu peux voir dans cette concession appartient à mon défunt mari. Donc, ne pense même pas que tu as quelque chose ici, hein? Alors, quand ma colère va sortir, tu vas porter tous tes effets et tu vas sortir de cette maison. Et n'y a rien, où êtes-vous? Est-ce que tu m'entends, hein? Oui, maman. Oui, maman. Ah! Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux aussi me battre? Non, 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 non. Non, maman. Non, maman. Non, maman. Non, non, maman. Non, maman. Non, désolée, mais maman. Mais bouquet. À boule, ok? Hey, dégage de ma vue. Est-ce que tu veux dire que je t'ai frappé? T'ai-je frappé? Si tu veux balayer cette concession 10 fois par jour, tu partiras de cette maison. M'entends-tu? Et nous, ouais. À collité. Regarde-la. Dépêche-toi de finir. Cette chose rapidement. Regarde cette chèvre. Regarde. Oui, maman. Quand je finis de balayer, tu vas lui faire à manger. Je ne veux pas entendre les pleurs. Bah, si elle pleure, bah. Je vais t'attacher là et tu vas aussi pleurer. Bah. Déteste-t-elle autant? Pourquoi me déteste-t-elle autant? Qu'est-ce bébé? Que j'ai fait? Bébé? Clara? Que fais-tu toute seule? Qu'est-ce qui ne va pas? Ça ne va pas recommencer. Idike. Keye Yonan. Ta mère me déteste tellement. Maman m'a insultée aujourd'hui. Elle m'a giflé. Maman fait quoi? Elle m'a traité de tout. Te gifler? Elle m'a dit que je suis malchanceuse et maudite. Hey. Je suis maudite. Bébé, tu n'es pas maudite. Je pense que je suis maudite. Elle a raison, peut-être. Tu ne l'es pas. Kenene Wawades. Ça, c'est encore quoi ça, non? Quand est-ce que maman nous laissera avoir la paix dans cette maison? Édiquée, je suis fatiguée. Sois patiente. Tout finira par s'arranger un jour. Quand? Ne t'en fais pas, je parlerai à maman. Hein? Elle va arrêter de te traiter ainsi. Il dit que je n'en peux plus, je suis fatiguée. Fais-moi confiance, ok? Désolée. Ah, dada. Polo, j'adore tes dreads. Vraiment? Oui. Ok. Attends un peu. Ça fait longtemps que tu as ces dreads lax? Ouais, c'est naturel. T'es sérieux? Oui, bien sûr, c'est vrai. Donc tu ne les as jamais coupés? Si, je les ai coupés, mais à l'instant où je l'ai fait, je suis tombée malade. Vraiment? Ouais, tu ne le savais pas? Pas du tout. Eh bien, j'aime les mecs avec les dreadlocks. Amour, Ngwa. Ouais, et je t'aime. Allez, arrête ça. Quoi? Arrête ça, arrête ça. Je suis là à attirer ton attention. Sais-tu combien de mecs je peux me taper là-dedans? Attends, je m'en vais.
C'est encore quoi cette histoire? D'ici peu, ton papa doit me récompenser. Je ne veux pas d'une récompense exceptionnelle comme celle qu'il a donnée à Ediké pour lui avoir pris sa dernière épouse. Pas moi, oh. Pas moi. Ça n'arrivera pas. Quel échec. Ediké, qu'est-ce qu'il y a? Hein? Écoute, je suis vraiment désolée. Je suis désolée pour tout ce que je t'ai fait. Tu dois être très stupide. Pourquoi m'appelles-tu? Si tu me touches encore, tu ne vas pas aimer ce que je vais te faire. Que veux-tu? Quel échec. Voilà, tu veux aussi coucher avec ma mère. Allez, mais que veux-tu dire par là, non? J'entends quoi par là? Hein? Suis-je celle qui allait coucher avec la femme de son patron? Quel échec, je suis désolée, non. Ce n'est pas ce que je Ediké, si j'ouvre les yeux et que tu es encore là, tu ne vas pas aimer. Quel échec, c'était une erreur. Que cette erreur te tue. Tu es vraiment stupide. Quel est-tu? Ediké, si tu me touches encore, hein, je te jure que tu ne vas pas aimer. N'importe quoi. Sale foutaise. Et où? Mon bébé, pourquoi te stresses-tu? Je t'ai demandé de laisser ça, je t'aiderai. Ah! Arrête. Désolé, non, arrête. Laisse ça, je le ferai pour toi. Si je ne le fais pas, maman viendra encore me crier dessus. Hein? Je dois le faire. Si je ne le fais pas, maman me criera dessus. Je ne veux pas de problème, je laisse ne veux pas ça, qu'elle se je fasse. Je le ferai pour toi. Non, ne te tu ne peux pas, tu ne peux pas finir ça seule. Mais laisse-moi moi t'aider, non. Je vais essayer, laisse ça comme ça. Laisse-moi tranquille, je veux le faire. Je ne veux pas, laisse-moi tranquille. Aïe! Bébé, arrête, non. Écoute, si tu veux le faire, d'accord, regarde comment on fait. Regarde. Ne mets pas tes doigts à l'intérieur. Tu comprends? Je t'ai demandé de laisser, je vais t'aider. T'en fais pas, t'en fais je pas. Je peux le faire, tu t'inquiètes pour rien. C'est tellement beau que si je ne le fais pas. Maman m'écrira dessus. Je ne veux pas la mettre en colère. Je veux tout faire pour lui plaire. S'il te plaît, permets-moi juste de le faire. Kalachi. Ah, c'est quoi ton problème? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi es-tu bizarre? Qu'est-ce qui se passe, ma puce? Je t'appelle depuis. Dieu seul sait combien de temps. Tu ne parles à personne, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? T'es sûr que tout va bien? Comment tout peut bien aller? Comment tout peut bien aller? Qu'est-ce qu'il y a? Cet imbécile d'Ediké. Calme-toi, ça. Ben, je savais que cela allait arriver. Ferme ta bouche. Qu'est-ce qui devait arriver? Tes mots sont mal à mon oreille. Je n'ai même pas envie de t'écouter. Écoute, pour toi, je suis fâchée contre toi. Et pourquoi? Je vais te le dire. Tu aurais dû casser le pied d'une personne. Du moins, nous perdons du temps. Allons chercher cette personne. Arrête maintenant. Ça. Arrête d'être sévère. Ce n'est pas gentil. C'est notre ami. Pourquoi l'encourager à faire du mal? Ce n'est pas gentil. Kelechi ne les écoute pas. Non, ne les écoute pas. Ok? Ediké va te chercher. Ediké reviendra pour toi. Kelechi ne les écoute pas. Calme-toi. Il ne fera rien de tout cela. Cette fille est enceinte. Ah! Oui. Ah! Ediké a mis la femme de son patron enceinte. Je te dis. Reste tranquille. Non. Non, ce n'est pas Ediké.
Edike que je connais. Il n'a pas perdu la tête pour faire une chose pareille. Tu veux dire que enceinte? Non. Ferme-moi ça. Si regarde. C'est Edike que je connais là. Ferme ta bouche, madame. Qu'est-ce que tu sais des hommes? Ne sais-tu pas que des hommes sont des chiens? Ils ne chargeront jamais. Je savais que cette fille ici. Pourquoi défends-tu Edike? Es-tu amoureuse de lui? Le défendrai. Défenseur. Je ne sais pas. Numéro 7. Regarde-le. Hey. Défenseur. Toujours à dire les bêtises. Toujours en train de parler. Viviane, tu vas bientôt partir de chez moi. Parce que tu ne dis rien de raisonnable ici. Edike n'est pas innocent. Edike n'est pas comme ça. Pas ce Edike que je connais. Ferme ça, s'il te plaît, les hommes sont des chiens. Si tu ne sais pas, ne le défends pas. Ils sont des chiens. Tu sais quoi? On le fout. Si j'étais toi, je le rendrais fou. Makashi. Ne l'écoute pas. Il allait courir partout. Mais calme-toi, non. Je ne comprends pas. Non. Mais qu'est-ce que tu racontes? J'aurais utilisé notre orgie pour eux. Ah. Non, ne t'inquiète pas. Je sais à quoi faire, ne t'inquiète pas. Ah, ils sont trop petits. Ne t'en fais pas. Edike m'a laissé. Hey! Edike ne t'a pas laissé. Edike ne t'a pas laissé. Je suis si heureuse de rentrer à la maison. Tu parles, moi aussi ça me fait plaisir. Tous les jours les mêmes choses, ça commençait à me saouler. Ma chérie, j'avais déjà marre de tout ça. Ah, allons à l'intérieur. Ah. Waouh! Papa! Qu'est-ce que je vois là? Papa! Qui sont ces magnifiques? Je suis si heureuse de te voir. Papa, content de te voir. Eh bien, je suis si content de vous voir ici. Je suis si heureuse de te voir, papa. Vous m'avez beaucoup manqué. Papa, toi aussi, tu m'as manqué. Ma maison paraissait vide sans vous deux. Quelle papa, tu as bonne mine. Vous trouvez bonne mine? Tu es très bonne mine. Vous êtes sûre de ce que vous dites? Tu es bonne mine. Bien, je suis si content de revoir mes bébés. Papa, je suis content de te voir. Vous savez ce qu'on va faire? Oui. Dis-nous, papa. Entrez. D'accord. Ok. Retrouvez-moi. Ok. Nous avons beaucoup de temps à rattraper tous les trois. Oui, mon papa. Allez, allons à l'intérieur. Hey, bref. Comment vas-tu? Super bien, et toi? Où est la voiture? Ah, je l'ai garée dehors. T'es sérieux? Qu'est-ce que tu fais? Ouais, j'essaie juste de bosser sur mon projet. T'as très bonne mine et t'es mignon. Merci à ton père, il me traite comme son fils. Oh, d'accord. Ouais. C'est super ça. Ah, et Ruth? Elle doit être en train de dormir. Ah, ok. Permets-moi d'aller à l'intérieur et prendre quelque chose pour ton père. Ok. J'allais oublier les nouvelles d'Edike et Clara. Ah, Edike et Clara, c'est une longue histoire. Mais mon père m'a dit que Clara a voyagé. Voyagé, qu'est? Eh bien, je n'ai rien à dire. Attends le retour de ton père. Il est mieux placé pour t'expliquer. T'es sérieux? Ouais. Ah. Laisse-moi faire sa commission, je suis pressé. D'accord. Ah. Bébé? Oui. Oh. Comment vas-tu ce matin? Je vais bien. Et toi? Je vais bien. J'espère que maman n'a pas fait d'histoire aujourd'hui, n'est-ce pas? Je suis juste fatiguée. Ok, j'ai juste besoin de repos. Ne la condamne pas, ce n'est pas de sa faute. Hein? Si j'étais à la place de maman, j'aurais fait pire. Comme... Alors laisse maman en dehors de tout ça. Je vais bien. Mon bébé, je dois l'avouer, tu es une très bonne personne. C'est pour ça que je t'adore. Merci pour ta compréhension. Ne t'en fais Merci. Pas. Très bientôt, tout ira parfaitement bien. Ok, d'accord? Ok, j'y crois. Alors, et ta journée? Tu m'as manqué. Bébé? Oh. Que t'est-il arrivé? Rien. Attends, c'est maman?
Mais parle-moi, c'est maman. Ce n'est pas elle, bébé. C'est... Bébé, si c'est maman qui t'a fait ça, laisse-moi. Bébé, calme-toi, s'il te plaît. Parle-moi, non, mais qu'est-ce qui t'arrive? Ce n'est pas maman, c'est Kelechi. Kelechi, oui. C'est elle qui t'a frappé, bébé. Attends. Tu me fais mal, s'il te plaît, viens. Oh, Seigneur. Kenny a osé te frapper. Oui. Calme-toi, viens. Allez, viens. Bébé, laisse-moi, j'ai besoin de confronter bébé, cette fille. Il se fait tard. Je ne veux pas que tu aies des problèmes. Il se fait tard. Quand je vais voir cette Kelechi, c'est que je vais le faire. Hein. Elle ne va pas aimer. Bébé, laisse-moi juste partir. Bébé, calme-toi. Ok, tu peux partir demain. Mais là, il se fait tard. Hein? Laisse cette fille. Laisse Kelechi, s'il te plaît. Allez, viens, bébé. Je suis désolée, viens. Bébé, je suis désolée, viens, te fâche pas, hein. Viens te coucher près de moi, viens. Désolée. Tu vois cette Kelechi, ce que je vais lui faire, hein. Si je vois cette fille demain, ce que je vais lui faire, ne t'en fais pas. Ne fais rien demain, ok? Laisse-la partir avec ses problèmes. Mon amour. Papa, tu ne nous as pas dit ce qui est arrivé à Clara. Clara, je vais me remarier maintenant. Papa, qu'est-ce que tu veux dire? Elle est partie pour de bon, c'est ce que je voulais dire. Oh, papa, encore? Qu'est-ce que tu dis? Papa! Papa! Quoi? Non, je ne vous comprends pas, vous, cette petite impolie. Vous avez le courage de me demander encore? Encore, est-ce que ça vous concerne? Oui, je peux prendre une femme aujourd'hui et la chasser demain. En quoi est-ce que c'est votre problème? Pourquoi est-ce que je... Qui vous a donné l'audace de me demander papa encore? Vous m'enseignez comment vivre? Je ne sais pas pourquoi des petites filles, spécialement comme vous. Je ne sais vraiment pas ce qu'on vous enseigne à l'école de nos jours. Maintenant, hors de ma vue. Dégagez. Papa, ils sont désolés. Ouais, c'est bon, j'accepte vos excuses. Allez-y, je veux être seul. Je veux être seul. Papa. Maman. Enajumaju. Elles ont l'audace de me poser des questions et moi de répondre. Papa encore. Papa. Kelechi! Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi écoute, crées-tu mon nom? Écoute, je suis venu t'avertir. Si jamais tu poses encore tes sales mains sur Clara, Kengime, tu ne vas pas, mais je vais régler ton compte personnellement. Et dans c'est pour ça que tu cries mon nom. Tu cries mon nom dans tout ce village. Hein? Écoute, elle l'a mérité, parce qu'elle parle beaucoup trop. La prochaine fois que tu la touches encore, la façon dont je vais régler ton compte, tu ne vas pas aimer. Je t'ai prévenu. Écoute! Tu ne vas rien faire, d'accord? Je t'avertis, ne t'approche plus jamais de Clara. Quel narboboyé, qui n'est que roboboguigné. Tu ne vas rien me faire. N'importe quoi. Tu n'as même pas. Tu ne m'as jamais aimé. Écoute, Kelechi, je suis prêt à prendre soin de toi. Juste donne-moi une chance. La chance de te prouver mon amour, hein? Hey. Kelechi, j'aurais tout vu. J'ai souffert. Je vais tout voir dans cette vie. Ediki, regarde-moi bien. Hein? Regarde-moi bien. Mes rondeurs, mes courbes. Toi, Ediki, prendre soin de moi, hein? Hey, Seigneur! Ediki, peux-tu me donner 3 repas quotidiens? Peux-tu? Peux-tu me m'acheter le lait que je mets sur mon corps? Tu ouvres la bouche que tu peux prendre soin de moi. S'il te plaît, Ediki, ça ne m'intéresse pas du tout. Je cherche celle. Tu n'as rien d'autre à faire? Avec tout ce qu'il y a dans ce village, cherche au moins à t'occuper, non? Hein? Tu es là à ne rien faire, te balader dans le village. Tu ouvres ta bouche et me dire que tu peux prendre soin de moi. Écoute, Kelechi. Tu dois comprendre que
Aucune situation n'est éternelle. Si tu me donnes la chance d'entrer dans ta vie, je promets de m'occuper de toi du mieux que je pourrai. S'il te plaît, dégage. Ferme ta bouche. L'argent ne résout pas tout. Tu devrais le savoir. L'argent résout tout, Ediké. L'argent résout tout. Comme ça, j'ai repoussé tous les hommes riches qui sont venus pour moi pour t'accepter toi, Ediké. Toi qui n'as même pas d'argent. Toi qui n'as rien à faire. Ressembles-tu à quelqu'un qui a de l'argent, Ediké? Hein? Ressembles-tu à quelqu'un qui a de l'argent, Ediké? Alors, c'est la dernière fois. Ne t'approche plus jamais de moi. N'importe quoi. Lichy, tu sais que je t'aime. Que cet amour te tue. Amour, mon œil. Tu ne peux pas chercher à faire quelque chose de ton temps. N'importe quoi. Lichy, aucune situation n'est éternelle. On a à quoi liquider. Kéké. Kéléchi, mon bébé. Hé, hey, arrête ça là. Qui est ton bébé? Kéléchi, calme-toi. Il faut dire calme. J'ai une bonne nouvelle, Kéléchi. Bonne nouvelle. Oui. Quelle écoute, nouvelle. J'aurai beaucoup d'argent très bientôt. Tu vois cet argent? Mets-toi avec les signes. Envoie de l'argent. Tu sais, hein, la dernière fois qu'on s'est vu où tu me disais « tu n'as pas l'argent mm-hmm. », ces paroles ont pénétré mon cœur. Alors, ça m'a touché et en y réfléchissant, j'ai donc décidé d'aller en ville, gagner de l'argent et revenir t'épouser. Ediké, tous les deux savons que tu ne peux pas gagner de l'argent, tu n'as pas d'argent. Écoute, quand je vais rentrer, yeah. Hein, tu deviendras Oyako. C'est te perdre ça. Quelle ville, hein? Mais la ville. Connais-tu quelqu'un en ville? Ediké, connais-tu un autre endroit en dehors de ce village? Hein, Ediké? Tu ne me connais pas très bien. Tu ne sais pas que j'ai des relations. Quelle relation? Écoute, quand je reviendrai de la ville, je te montrerai que c'est moi, Ediké l'argent. Écoute, je suis en train d'aller à la ville pour faire le boy-boy. Connais-tu cet homme qu'on appelle Tiff Donatus? Cet homme riche. Tu ignores ce qui se passe. Tiff Donatus s'est arrangé avec ma famille pour m'amener en ville et faire le boy-boy. Après 5 ans, il me récompensera avec beaucoup d'argent. Je deviendrai riche. Hey, attends. Tu viens de dire Tiff Donatus? Alors, quand pars-tu? Très très bientôt, je partirai. C'est ce que je te disais depuis, hein. C'est ce que j'ai passé le temps à te dire. Tu dois partir de ce village, hein. Alors, qu'est-ce que tu sais que je t'aime, Ediké, mais tu ne comprends pas. Tu sais pas. Que moi aussi je t'aime. Toi aussi tu m'aimes. Tu es sérieuse? Depuis le premier jour où j'ai posé mes yeux sur toi, Ediké. Alors pourquoi tu joues à la belle? Tu sais, c'est comme ça ces choses-là, non? Hey! Je voulais te motiver. C'est pour cette raison que je te disais que tu n'as pas d'argent. Tu dois aller gagner de l'argent pour revenir me chercher. Et tu sais que je suis une belle fille. On why? Ok, manabarugu, vous me gonanoko. Pour moi. Bébé, je t'accepte comme tu es. Es-tu sérieuse? Mais oui. Donc, on sort déjà ensemble. Hein? Laisse-moi te dire, je t'aime énormément. Pourquoi tu l'as pas dit depuis? Pourquoi tu joues à la belle? Ah, hein? Tu sais, non, je voulais que tu sois un homme, c'est pour ça. Tu es sûre? Mais oui. Tu m'aimes? Dis-moi, je t'aime énormément. Je t'aime encore plus. Écoute, hein. C'est bon, arrêtons de parler. Allons chez maman Kitty. Manger une soupe de piment et boire du vin bien frais. Allons-y. Ediké, l'argent n'est plus un problème. Écoute, quand je vais rentrer, hein. Voici comment je marcherai dans ce village. Ah ouais, dans ma poche. Je mettrai ma main dans ma poche. J'espère que je serai à tes côtés. Non, tu seras là comme ça. Je t'attends ici. Ne vois rien comme. Idobi, elle non. J'ai de l'argent. Pas de fille, je ne veux pas. Pas de fille, juste toi. Je le savais. Tu penses que je l'ignorais? Ediké. Hé, passe mon gars. Ça fait un bail. Comment vas-tu? Mon pote, je vais bien. Que fais-tu? J'essaye d'allumer le feu pour préparer quelque chose de bon. Eh, viens. Écoute, j'ai parlé avec mon directeur au sujet du boulot que je t'ai parlé, que je devais te trouver. Alors, quelle est la bonne nouvelle? J'ai une bonne nouvelle. Dis-moi. Il a demandé que je vienne avec toi. Oui, oh. Il m'a mené? Mon boss lui-même, il a demandé que je t'amène. Alors, demain, on ira là-bas. Oui. Hey. Donc, nous allons travailler dans la même entreprise. Oui, mon pote, bien sûr, dans la mon même frère, entreprise. Merci. C'est parce que t'es mon pote. Hey, passez, tu es très gentil. Et comme tu sais conduire, nous allons conduire ensemble. Puis, nous allons faire la collecte de l'argent.
Donc, nous allons nous faire de l'argent. Ne t'inquiète pas, c'est génial. Ne t'en fais pas, je vais gérer. Négo ou bonégo. Je t'avais dit que j'allais trouver quelque chose. Ça me touche pas, c'est ça me touche Pourquoi beaucoup. Pourquoi es-tu mon ami si que Dieu te bénisse pour moi. Hein? Sois prêt pour demain. C'est une bonne nouvelle. Je ne sais pas par où commencer. Attends, j'ai fini. Il fallait que je vienne te le dire. Assieds-toi, je vais te donner à manger. Laisse-moi juste le temps d'aller chercher. Non, je vais aller acheter quelque chose, donc. Je venais juste te donner la bonne nouvelle avant de continuer. Ok, laisse-moi te faire mi-chemin. Ok, allons-y. Ça me touche. Tu sais que tu es mon ami, je dois t'aider. Si ce n'était pas toi, comment j'allais m'en sortir? Le repas est prêt. Waouh. Alors bébé, comment te sens-tu? Je me sens mieux. Je vais bien. C'est très bon. Tu aimes? C'est très bon, c'est très très bon. Je savais que tu aimerais. Waouh bébé, cette sauce est très très bonne. Sais-tu que tu cuisines comme ma mère? Waouh, ma mère doit goûter à ce repas. Oh, tu es un cordon bleu. Je te le jure bébé. Maman, bienvenue. Maman, bienvenue. Qu'est-ce qu'il y a encore? Écoute, bébé, je comprends ce que tu ressens dans cette maison. Écoute, je te promets que très bientôt, ok, j'aurai un boulot et je ne sortirai d'ici. C'est vrai? Tout mon Je te le promets. Tout démon qui dit que ma famille n'aura jamais de paix. Le feu du Saint-Esprit. Le feu. Maman. Brûle tous ceux qui veulent détruire ma famille. Feu du Saint-Esprit, détruis-les. Maman. Détruis-les. Le feu du Saint-Esprit. Maman. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Détruis-les. Au nom puissant de Jésus-Christ. Le feu du Saint-Esprit. Feu du Saint-Esprit, feu, détruis-les. J'envoie le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit. Okobamba, détruis-les. Tous les démons de cette maison, détruis-les. Feu du Saint-Esprit, détruis-les. Voyez le feu. Ne t'en fais pas, tout va s'arranger. Envoie le feu au nom de Jésus. Je suis vraiment désolée, ok? Détruis-les. Très bientôt, j'aurai un boulot et je t'enlèverai de ce village. Détruis-les. Je promets, tout va s'arranger. S'il te plaît, sois le feu de Jésus. Tout va s'arranger. Le feu de Jésus. Ne t'en fais pas, tout va s'arranger. Je n'en peux plus. Fais-moi confiance, tout va s'arranger. Je suis fatiguée. Bébé, s'il te plaît, mon ami passé m'a promis de me trouver un boulot. Donc, très bientôt, j'aurai un boulot, un travail de chauffeur. Ça pourra au moins nous rapporter quelque chose et je pourrai nous sortir d'ici pour une vie meilleure. Crois-moi, c'est juste une question de temps. Arrête de pleurer. Fais-moi confiance. S'il te plaît. Je suis fatiguée. Tu crois que c'est facile pour moi? Et dis que si tu tiens vraiment à notre relation... Désolée. Je suis fatiguée. Un peu de patience, bébé. Tu dois être forte, bébé. Okay? Je suis fatiguée. Tout va s'arranger. Calme-toi, c'est bon, tout va s'arranger. C'est juste une question de temps. Oui, c'est bien ça. J'ai parlé de 500 bouteilles vides. Oui, des bouteilles vides. Bonjour, monsieur. Ok. Un instant, s'il te plaît. Je te rappelle. Oh, oui. Puis-je vous aider? Ok. Monsieur Dika, à son poste. Oui, monsieur. D'accord. Celui recommandé pour le poste de chauffeur. C'est ça, monsieur. Très bien. J'espère que vous allez bien faire votre travail. Monsieur, je ferai de mon mieux. Eh bien. Vous attendiez combien vous serez payé? Pas vraiment, monsieur. Le salaire mensuel est de 80 000 naira. Écoutez, si cela ne vous convient pas, vous pouvez me le dire maintenant. Pour que je puisse vous savoir, il y a beaucoup de jeunes là-dehors qui cherchent du boulot. Monsieur, ça me va. Autre. Ça me va, monsieur. Cela vous convient-il? Je suis partant, monsieur. Très bien. Ok, allez rencontrer la caissière là-bas. Pour qu'elle vous...
pour qu'elle vous dise quoi faire, pour que d'accord, vous commenciez monsieur. Le travail. Mmh. D'accord, c'est bon. Merci infiniment, monsieur. Très bien, ça me touche infiniment. Merci okay, beaucoup. Okay. D'accord, monsieur. Chérie? Chérie? Oui? Bébé, s'il te plaît, apporte-moi de l'eau. Ok. Oh, tu es rentrée? Je suis rentrée. Tiens ton eau. Mmh. Ah, ah, pourquoi ce visage triste? Hmm? Qu'est-ce qu'il y a? Mon amour, cette vie n'est pas facile. Ah. J'ai cherché un boulot partout. Je n'ai pas trouvé. Mais j'en ai eu un, mais le salaire est si décourageant. Mais mademoiselle, que vais-je faire? Mais combien? Bébé? Mmh? Le prix n'est pas encourageant. Bébé, dis-moi, combien? 20 000 naira. Que puis-je faire avec 20 000 naira? Aïe, c'est insignifiant. As-tu essayé de leur parler pour qu'ils essayent au moins d'augmenter à 30? Je leur ai parlé. Ils disent que c'est le prix. Que si je ne peux pas travailler, je peux laisser. Qu'il y a d'autres personnes qui cherchent du travail et n'en trouvent pas. Moi, je veux parler du salaire. Aïe, ces gens sont méchants. Je n'ai pas eu le choix. Ah, Awon. Si tu veux mon avis, hein, fais juste avec. Just moi et Dieu. Il fallait qu'aimer. Que pouvons-nous faire? Pour le moment, faisons avec. Je suis sûre que tout va s'arranger. Commence avec ce boulot. Hein? En passant, tu peux regarder, il n'y a plus rien. Il n'y a rien dans cette maison que cette eau. Rien. Il n'y a plus rien. Rien du tout. Rien. Hein? Et je suis sûre que tu as faim. J'ai faim. Essaye juste de me trouver quelque chose à manger. Oh, tu veux que moi aussi j'aille chercher du boulot? Je ne sais pas. Non, 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 bébé, hein? S'il te plaît. Je suis fatiguée. Je ferai de mon mieux. Je ferai ce boulot. Je n'ai pas d'autre choix. Oui. Je vais le faire. Essaye juste de me chercher quelque chose à manger. Ok, je vais. Ah, d'accord. Où est maman? Maman est partie à une réunion. Mmh. Maman n'est pas là. Je vais te chercher quelque chose à manger, t'inquiète. D'accord. Oh non. Entrons. Viens te reposer. Non, laisse-moi rester ici. J'ai besoin de réfléchir, s'il te plaît. Laisse-moi réfléchir sur ma vie. Biko, hmm? J'arrive, je te rejoins plus tard. Va juste faire quelque chose à manger pour moi. Ok, t'inquiète pas. Ah, mon Dieu. Ah. Qu'allons-nous devenir? Hey! Ils ont pris l'argent. Qu'allons-nous dire à notre patron? Je l'ignore. Hey! Oh! Ah! Hey! Hey! Edike, nous sommes foutus. Nous sommes foutus. Hey! Hey! Où vais-je prendre 45 000 pour rembourser le patron? Tu me demandes? C'est à moi que tu t'adresses? Nous sommes tous les deux dans ce merdier. Ne me pose plus ces questions.
Tu ferais mieux de te lever avant qu'il ne revienne. Allons-y, partons d'ici. Lève-toi, allons-y, partons d'ici. Avance, partons. Monsieur, en revenant de la livraison, nous avons été attaqués par des voleurs. Pardon? Ils ont pris tout l'argent que nous avons vendu. Vous avez été attaqué par des braqueurs? Oui, monsieur. En passant, où est le chauffeur? Je ne sais pas où il allait. Il m'a juste dit qu'il ne peut pas vous affronter. Hein? Alors il a refusé de venir avec moi. Ok. Il ne peut pas venir me faire face. Oui, monsieur. L'homme qui t'a recommandé pour ce boulot ne peut pas venir me faire face. Alors, tous les deux, tu sais de connivence pour voler mon argent. Hein, Ejike? Non, monsieur, nous n'étions pas... Vas-tu fermer ton trou? Vous étiez de connivence pour voler mon argent. Le monsieur qui t'a recommandé n'a pas le courage de venir me faire face. Monsieur, je le jure, nous nous sommes fait attaquer. Si vous voulez, vous pouvez demander. C'est sur la route d'Okichuku. C'est là où ça s'est passé. Ejike. Vous pouvez demander. Mais écoute, Ejike. Ne te gêne pas à revenir ici demain parce que tu n'as plus de travail. Monsieur. Je verrai. Monsieur, s'il vous plaît. Il n'y a pas de salaire pour toi. Monsieur, s'il vous plaît, payez-moi au moins. Je suis sérieux, on nous a braqués. Vous pouvez aller vous renseigner à la rue Okichuku. Maintenant, écoute. Le chauffeur est toujours considéré comme suspect. Pas seulement comme suspect, mais aussi comme coupable. S'il te plaît, hors de ma vie. Monsieur, s'il vous plaît, je n'ai... Hors de ma vie, je suis occupé. S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, si c'est mon dernier espoir. Je vous en supplie. Pendant que je ne compte qu'à 3, sors d'ici. 1. Monsieur, s'il vous plaît, monsieur. Dégage. Espèce de voleur. Le chauffeur qui m'a recommandé ce jeune garçon ne peut pas venir me faire face. Quand je vais lui régler ce compte à ce chauffeur, il saura pourquoi 1 plus 1 égale 2. N'importe quoi. Pourquoi est-ce que tu rentres si tôt? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi es-tu rentré? On s'est fait attaquer par des braqueurs. Hey! Comment est-ce arrivé? Comment? Après la livraison journalière, après avoir fini de livrer les sachets d'eau, sur le chemin de retour dans notre camionnette, des braqueurs. Et ils ont pris tout l'argent que nous avons vendu. Tu dis qu'ils ont pris tout l'argent que vous avez vendu? Donc actuellement, tu n'as rien. Je n'ai pas d'argent sur moi. Hey. Le plus dur dans tout ça, c'est que je suis allé dans son bureau pour dire à mon patron ce qui s'est passé. Qu'ils nous ont volés et mon patron a dit que je suis un menteur et en plus de ça, j'ai été renvoyé. Hein? Ton patron t'a renvoyé? Tiens! Aïe! Il dit que tu es viré. Je suis viré. Tu n'as plus de boulot? C'est ça. Ils t'ont fait ça? Oui, ce sont eux. Aïe! Hey! Désolée, s'il te plaît. Désolée. J'ai juste besoin d'un anti-inflammatoire, ça me soulagera. Un anti-inflammatoire? Où vais-je trouver de l'argent pour acheter des médicaments? Et dis que où vais-je trouver de l'argent pour acheter des remèdes?
Oh, dis-moi, oh. D'accord, ça va aller. Non, ne t'en fais pas. Ça ira. Laisse-moi t'aider. Ah, Jeff Donatos. Oh, Dogu Gambo. Eh bien, Gambo, tu ressembles vraiment à un grand boss, tu vois. Eh bien, tu sais, de nos jours, je ne traite qu'avec des étrangers. Mm-hmm. Donc, je, comme je te le disais tantôt, uh-huh. Je suis passé au niveau supérieur. Je sais, tu es un homme d'affaires. Un homme d'affaires invétéré. Tu as pris le contrôle du marché. Hey, je suis content. Oui, si merci, je pouvais exprimer merci. Ma joie, crois-moi. Tu sais ce que ça veut dire. Tu es venu. Oui, oui. Et tu as oui, décidé de venir me voir. Ah, hein? À quoi servent les amis? Cela prouve que tu es vraiment mon ami. À quoi servent les amis? Je ne pouvais pas imaginer que tu pouvais partir du village pour me voir. Et je vois beaucoup d'humanité en toi. Merci, mon frère. Sois la bienvenue. Merci. Sois la bienvenue. Merci. Ah, ta maison est vraiment magnifique. Ça, tu... J'ai passé la concession en revue quand je suis entré. C'est la très grâce beau. De Dieu. C'est vraiment c'est la beau. Grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Gambo, Dieu nous a bénis. Il m'a béni. Et c'est comme ça. Oui. Et où quoi nous mourir. C'est vrai. Oui. Chief. Oui. Je ne suis pas seulement venu en Nitya pour les affaires ou uniquement pour te saluer. Il y a une raison. Je dois vraiment t'en parler. Vas-y, je t'écoute. Tu te souviens de l'information que tu m'as donnée la dernière fois? Celui qui t'a créé à ce problème. À propos d'éduquer. Oui. Je veux juste savoir, dis-moi, qu'as-tu vraiment décidé après le départ de ce garçon? Tu as besoin d'une femme. Une femme qui te donnera des enfants qui prendront soin de toi. Écoute, tu sais, on ne rajeunit pas. Tu veux dire pas. Un fils? Hey, un fils, oui. Un garçon. Oui. Et ça me cause trop de problèmes. Première femme, deuxième femme. Maintenant, je suis en train de courir vers la troisième femme, juste à cause d'un garçon. Hein? Tu sais, adopter un enfant mâle dans un orphelinat n'a jamais été dans ma pensée. Et qu'est-ce que tu essaies de dire? Que veux-tu que je fasse? Ce que je veux dire, c'est que il te faut une femme. On s'en fiche qu'elle soit première, troisième, quatrième ou cinquième. Ce qu'il te faut, c'est une femme. Une femme qui viendra prendre soin de la maison et qui te donnera un héritier. Pas besoin de... Ok, comment est-ce que je saurais que la femme qui vient chez moi est celle qui va me donner un héritier ou pas? Oui, c'est vrai. Si ce n'était pas la mort, ta première femme était une bonne femme. Oui, donc... Ok, c'est il bon, faut que tu... frère, n'insiste pas, j'ai compris. Je ne peux vraiment plus y penser. Chief, tu dois avoir le tien. Tu dois avoir le okay, tien. Ok, comment est-ce que je saurais que la femme que je prendrai maintenant est celle qui va me donner un garçon? Tu ne peux pas en être sûr. Mais tu ne peux pas t'arrêter tant que tu n'as pas encore eu ce que tu veux. C'est important, Chief. C'est important. C'est important. De toute façon, Gambo, merci infiniment pour ta sollicitude et pour je t'en prie. Que tu ne cesses de me montrer à moi et à ma famille. Et même ma fille, elle s'inquiète. Mmh. Elle veut un frère. Oui. Elle veut absolument un frère. Juste comme moi, je veux un garçon. Mais ce n'est pas un problème. Hein? Au oui. Fur et à pensez-y. Je vais vraiment pensez-y. Y penser et j'y veillerai personnellement. D'accord. Hein? D'accord. D'accord. Avant que tu ne rentres au village, j'aimerais que nous rendions visite à Chief Donatus. Tu sais, mon frère, je vais t'emmener à un endroit où on célèbre vraiment la vie. Et de la manière la plus extrême. Un kéodos et tu. Au moins, casse Diego. Ok. Un tisolo et non, bien élevé. D'accord. Où tu parviens à soulever les hommes comme moi. Reste et profite de la vie. Ça ne se passe pas ici. De la part, je vais te donner. Bien, Ngozi! Monsieur? Viens. Je vais. Apporte-moi. Je t'en prie, apporte-moi cette. Cette boisson chaude. Eh bien, D'accord, monsieur. Ce n'est pas de la contrefaçon. Quand tu regardes ce vin, hein? Eh bien, quand tu le regardes, tu comprends que c'est un vin de marque. Merci. Tiens, merci tu peux le regarder. Merci beaucoup. Bonne après-midi, monsieur. Après-midi, madame. Comment vous allez? Bien, monsieur. Dieu merci. Gambo, ce vin, c'est le nom. Oh. Black Label. Et wow. Hein? Ensuite, nous allons sortir et passer du bon temps. Hein? C'est compris. Laisse-moi prendre un vin. Si je veux commencer à boire maintenant, laisse-moi te le dire. Ah non. Ah, alors comme ça, il t'intéresse. Comme tu as dit, je pense que je vais le garder. J'ai appris qu'il vit ici avec une femme. Il faut que je découvre qui c'est. Ah, je l'attends. Ha 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 ha
c'était papa. Moi aussi, je pensais que c'était attendez, papa. Attendez, attendez. Vous pensiez que c'était papa? Oui. Ne parlez pas haute voix. Nous devons vraiment aller voir Clara. Oui. Je suis super partante. Je suis entièrement d'accord. Non. Adézé, tu peux pas venir avec nous. Tu ne peux pas y aller. Du moins, tu restes en regret pour assurer nos arrières, juste au cas où nous mettons trop de temps. Ce n'est pas juste. D'accord. Elle a raison. Je comprends. Nous reviendrons. Ce n'est pas juste. Tu vas nous manquer. Partir, ce ne sera pas long. Je te comprends, d'accord. Ne sois pas Chris. Surveille juste nos arrières, c'est tout. Ok. Vas-y, souris. Ça va. T'en fais pas, je te raconterai tout. Elle me manque tellement, elle me manque tellement. On lui dira, t'en fais pas, ok. On lui dira, tata Clara. Ne sois pas Chris, d'accord. Alors, c'est quoi le plan? Nous ne savons même pas où elle habite. Ok. On n'a même pas son contact. Comment faire pour la joindre? Mon plan, c'est Polo. Ah oui, prenez ça. Donc, vous les filles, vous allez voir Clara. Oui, nous allons voir Clara. C'est lui, la bien sûr. Là. Allez. Oh, ne t'inquiète pas, tout va s'arranger, ok. Ok, ça va. T'inquiète pas, tout ira bien. Alors, quand est-ce qu'on part? Ne vous en faites pas, je vous ferai savoir. Oui, j'ai hâte de la voir. J'ai hâte de la voir. Ne t'en fais s'il pas. S'il vous plaît, okay, faites-le, ok. C'est bien, assure juste nos arrières, d'accord? Bien sûr que je papa le ferai. Papa sera bientôt de retour, il ne doit pas te trouver Chris, ouais, je d'accord? Sais. C'est bon, j'ai cette photo. Alors, voici que faites-vous les filles? La nouvelle vidéo. Ah. Ne vous trompe pas. Quelle est Wam? Quelle est Sio? Et alors? Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a? Ça m'étonne. S'il te plaît, sorcière. Espèce de sorcière. Je vais à la femme du gouverneur. On va te laisser moi. Oui. Sorcière, c'est ce que tu es. Qu'est-ce que tu es? Tu ne sais pas que tu es une sorcière. Ta bouche. Et ce n'est pas tout. Elle est aussi une tueuse de mari. Elle a tué son mari. Ah, quelle est tout le monde dans ce village. C'est une sorcière. C'est qu'elle a tué son mari. N'importe quoi. N'importe quoi. Ah non, c'est chier. Arrête, non. Laisse-la. Oui. Pourquoi m'appelles-tu? N'es-tu pas stupide? C'est tu es ça. Très inutile. Très inutile. Tu n'as même pas honte. Avec même ton bon argent de fils éduqué, qui couche avec la femme de son patron. C'est la vérité. Allô? Abomination, fils. Abomination. Hey, c'est mon problème. Arrête. Qu'est-ce qu'elle raconte? C'est ta mère. Arrête de l'insulter. C'est la mère de quelqu'un. Et alors? Et alors? C'est ta mère. On est assis de rien. De quoi te mêles-tu? C'est une sorcière, tu ne sais pas. Ce n'est pas de ta faute. Pourquoi la supplies-tu? Pourquoi tu la supplies? Pourquoi la supplies-tu? Sorcière. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, maman, Clara. Qu'est-ce qu'il y a? Clara, as-tu le courage de venir ici? Je suis une insulte. Tu es bagarrée. Si je l'insulte, non. C'est clair. Laisse-moi faire. C'est mince. Et tu es très stupide. Oh, mon Dieu. Mes yeux. Je vais régler ton compte maintenant. Qu'est-ce que tu cherches? Idiote. Mes yeux. Clara, tu vas me le payer. Tu vas me le payer. Bon, tu vas le regretter. Bon, je te le promets. Tu vas le regretter. C'est bon. Oh, pourquoi? Tu as arrêté ce bâton? Ils sont folles. Oh, mon cul, leur as-tu fait? Rien. Que leur as-tu fait? C'est juste ça. Ils sont folles. N'importe quoi. Elles sont stupides. Pourquoi est-ce qu'elles t'insultent? Calme-toi, calme. C'est pas de problème. T'es pas bouchon pas. Oh, maman. Je ne suis pas contente. C'est quoi ces bêtises? Hein? Où est ton bidon? Maman, laisse la faire du bidon. Une idiote. Ah, une bonne à rien. Tu penses que tu peux insulter n'importe comment? Tu n'as pas de respect. Tu n'as pas d'aîné chez toi? N'importe quoi. Maman, allons-y. On va puiser de l'eau. N'importe quoi. Je t'accompagne puiser de l'eau. Non, va à la maison, j'arrive. Ok. Va à la maison. Ok. Si tu... Elle essaye de te parler. Viens m'appeler. Laisse-moi t'accompagner. Mais où est mon bâton? Je veux mon bâton. Voilà la maison. Allez-y et demandez à voir Clara. Ok. Ok. Merci. Je vous en prie. Merci. Je vous en prie. Merci. Je vous en prie. Merci. Ok. Prenez soin de vous.
D'accord, toi aussi. Bye. Bye. Bye, les filles. Oh, attends. Paul, s'il te plaît, n'oublie pas de venir nous chercher. Tu sais qu'on ne connaît pas cet endroit et il ne faut pas qu'on se perde, s'il te plaît. T'en fais pas, je reviendrai vous chercher, les filles. Ok, merci. Rassurez-vous de m'appeler quand vous aurez fini, d'accord? Ça marche. Connaissons-nous. Moi aussi. Bonsoir à ma Clara et Dicky, d'accord? D'accord. Moi aussi. Maman, arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Elle ne mérite pas toutes ces larmes. Elle les mérite. Hein? Pourquoi pleures-tu à cause d'elle? Arrête, maman, c'est bon, c'est bon. Ne pleure plus. Mais comment vais-je arrêter de pleurer? Si, je comprends, maman. Comment est-ce que je peux cesser de pleurer? Oh, maman, tu n'es pas une sorcière. Ah! Ah! Hé! Ah. Hey. Ah. Tu m'as manqué. Bienvenue. Tu nous as manqué. Et moi encore plus, les filles. Soyez les bienvenues. Merci. Maman, voici Ruth et sa sœur. Ce sont ce sont les filles de Tif Donatus. Bon après-midi, maman. Bon après-midi. Tu n'es jamais partie. Tu n'as rien dit à personne. J'ai même essayé de t'appeler, mais ton numéro était injoignable. Prochainement, fais-nous au moins signe de vie. Je suis désolée. Vous savez que vous me manquez, les filles, mais... C'est une longue histoire. Tu nous as manqué. Tu nous as tellement manqué. Vous aussi, les filles, vous aussi. Au revoir. Dites-moi, ça va à l'école? Oh, l'école est tellement stressante. C'est vrai. Très, très stressant, mais j'ai hâte de finir. Moi aussi, je ne peux plus attendre. Ne t'en fais pas, ça va aller. Finir avec ça. Alors, que s'est-il passé? Tu nous manques. Tu manques à la maison. Tu me manques. Vous manquez, les filles. Mais vous savez, que pouvais-je faire? Vous savez combien votre père me traite. Pas les filles, que pouvais-je faire? Ne t'en sentez pas. Vous m'avez tellement manqué, je vous jure. Tout me manque. Je te promets de parler à mon père et tout ira bien. D'accord, ça ira. Ça ira. Tu nous as manqué, mon Dieu. Je suis trop contente de voir. Tu nous as trop manqué. Merci d'être passée, les filles. De rien. C'était bon de te revoir. Et moi, tu vois, de te voir. On je suis si contente. Nous sommes très contentes. Nous sommes contentes. Je suis magnifique comme d'habitude. Ah, merci. C'était un très bon moment. Il y a longtemps, je n'avais pas ri autant. Hey, mais ne t'inquiète ça... pas. Tout va s'arranger. Tout va s'arranger, tu verras. Hey, il est aussi là, les filles. Oui. Vous ne m'avez rien dit. Salut. Bonjour, comment tu vas? Salut, Clara. Je vais bien et toi? Bien, je vais bien. Ça fait plaisir de te revoir. Le plaisir est partagé. Alors, ça va? Oui. Dis-moi, tout va bien? Non, ça va. Ça va, c'est juste que tu m'as manqué. Ah, pas encore plus, pas encore plus. C'est gentil. Elle ne ment pas. Elle ne m'ont pas dit que vous étiez ensemble. Pas Pourquoi grave. Est-ce que tu n'es pas entrée? Non, 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 pas de problème. Je suis juste venue les déposer et les raccompagner à la maison. Ediki est-il là? Non, il est allé chercher quelque chose. Il sera bientôt de retour. Ok, j'espère que ça va, les filles. Oui, bien ça sûr. Va. Ah, avec beaucoup d'émotion. Nous sommes vraiment contentes. Merci d'être venu par là. Ah, grand frère. Il est là. Brennis. Waouh. Viens m'embrasser. J'en suis venu. Vous êtes venu nous rendre visite. Sans oublier mon pote. Grand frère, viens là. Édiqué, mon frère. Ah. Il est revenu. Moi de 9, non? Comment tu vas? Super. Mon frère, tu es sapé. C'est, c'est moi, non? Je suis très Comment heureux de te voir. Seul à bien. Seul à bien. J'espère que tu les as bien nourris. Oui, oui, oui. Elle l'a fait. Honnêtement, quelle joie de te revoir, Édiqué. Vous avez grandi, les filles, hein?
Il nous a vraiment manqué, tu sais. Merci infiniment. Merci beaucoup d'être venu. Hein? J'espère que ma femme s'est bien. Oui, oui, oui. Ça grâce, mon pote. Je vais bien. Content de l'entendre. Je vais bien. Ça me rassure. Merci d'être venu. Je suis si content de vous voir. Merci, ça me fait tellement plaisir. Merci. Ah. Les filles, c'est votre départ? Oui, nous allons devoir partir maintenant. C'est ça. Mais ne t'en fais pas. On reviendra prochainement. C'est promis. S'il vous plaît, les filles, la prochaine fois que vous reviendrez, je promets de préparer quelque chose. On reviendra, c'est promis. Ne t'en fais pas, on reviendra. Pas de problème, on reviendra. Parce que je sais que ton père est un soldat. Je sais. Tu sais que tu es notre pote. Qu'il faut qu'on parte. Nous devons partir maintenant. D'accord. Tu vas me manquer. Polo. Mon pote, il faut qu'on parte. Prends soin des filles. Mon pote, tu parles comme si tu connais, tu connais très bien qui. Tu le connais très bien. Il tu sais quand même facile. Comment Paolo conduit. Ben ne voilà. T'inquiète pas, prends soin de toi. À la prochaine. D'accord. D'accord. Il va m'inquiéter. Oui. Bye bye. Polo. Polo, mon frère. À bientôt. Hein? À la prochaine. D'accord. Que Dieu vous garde. Vous aussi. Okay, ok, bye bye. D'accord, bye bye. Bye. Polo, mon frère. Bon retour. Bye-bye. Bye. Mettez vos ceintures, les filles. Elle me manque déjà. Brénice. Bye. Polo. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Elle te manque, n'est-ce pas? Moi aussi. Allons à l'intérieur. Désolé, c'est aussi ça la vie. Ça m'a vraiment fait plaisir de les revoir. Qu'est-ce qui t'arrive? Je n'aime pas te voir avec cette tête triste. Tu sais quoi, chérie? Quand j'ai d'abord vu Ruth et Brunice, j'ai eu peur. Et pourquoi as-tu peur? Non, j'ai eu peur. En même temps, j'étais contente. J'ai eu peur pourquoi? Parce que je ne savais pas pourquoi elles sont venues. Je ne les attendais pas. Ah, ah. Et si tu ne sais pas qui est Chief Donatus. Alors, qu'est-ce qui t'est venu à l'esprit? Je ne sais pas ce qui m'est venu à l'esprit. Tout me passait par la tête. Je me posais des questions du genre. Je me suis dit, Chief les a envoyés pour me battre. Je ne sais pas si c'est à ça que j'ai pensé. J'ai même pensé que j'avais volé quelque chose. Je ne sais pas. Tu devrais savoir que Brenny et Ruth sont de très bonnes personnes. Mmh. Elles sont vraiment très gentilles, hein? Elles ne feront jamais ce genre de choses. Mmh. Oui, elles le sont. Ce sont de bonnes filles. Je les aime. Je les aime beaucoup et elles me manquent. Tu sais, elles me manquent tellement. Ça elles va ont aller. Été très bonnes envers moi. C'est bon, tu seras toujours heureuse. Mmh? Rien ne t'arrivera. Je t'aime tellement. Je t'aime. Merci. Merci de rester à mes côtés. C'est bon. Je t'aime. Merci. Alors, qu'est-ce que tu as pour moi? J'ai vraiment faim. Ok, j'ai fait de la sauce égoussi pour égoussi. Toi. Égoussi? Waouh! Ah! Donc, c'est tout ce que tu as enduré pendant tout ce temps? Oui, maman. Ah! Ça, c'est très méchant. Ça va, maman. Tout ça, c'est du passé. Je suis passée à autre chose. Nawao. En tout cas, je vais vous laisser déguster votre repas. Moi, je m'en vais faire ma sieste. J'ai besoin de repos. Merci, maman. Maman, as-tu mangé? Je le ferai à mon réveil. Okay. Je vais d'abord me reposer, merci. À mon âge, il n'est pas bon de trop manger. D'accord, prends bien soin de toi, ok? Merci, maman. Quoi? Bébé, que se passe-t-il? Rien du tout. Rien de grave. Bébé, parle-moi. Que se passe-t-il? Eh bien, c'est vrai, je ne t'ai rien dit. Maman et Kilichi se sont disputés. Oui, il y a quelques mois. Quoi? Pendant ton voyage. Oui, oh. Kilichi a eu le toupet d'insulter maman. Et tu vois cette fille? Tu vois cette fille? Si je l'attrape cette fois-ci, ce que je ferai à cette fille? Il m'aimait cette fille. Bébé, calme-toi. Il n'y a pas besoin de te stresser. Je lui ai réglé son compte. Ah! Tu bébé, ne me connais pas. Je lui ai réglé son compte. Que viens-tu de dire? Si je lui ai réglé son compte, ses amis, toutes ses filles, je les ai battues. Qui est battu? Nikwanaya. Oui. Ima Okwana bagarre. Allez, tape-moi 5. Ça, c'est ma femme. Attends, regarde, tu as ce truc-là que oui. J'ai. Oui. Ne permet à personne d'être intimidé dans ce village. Moi,
Hein? Je ne veux pas leur montrer mon vrai visage. Oh, Burika, Edouidimou, moi je vais combattre pour toi. Non, tu comprends ça? Battre. J'ai la force. Bébé, non, tu ne peux plus le refaire. Tu sais, tu portes mon enfant, Biko. Biko, Dikwe, Ayano. Mais cette Kelechi, ne t'inquiète pas, j'en finirai bébé, avec elle. Bébé, laisse-la. N'importe quoi. Non, bébé, tu sais. Bébé, cette nourriture est vraiment bonne. Je t'assure, elle est vraiment délicieuse. Je t'ai surpassé cette fois-ci. Tu peux pas très bien, bébé. J'aime cette nourriture, mange, surtout celle-ci. Oui, mange. Je vais manger. tiens. Oh. Ah, désolé. Désolé, non. Bébé, tu aimes trop la viande. Tu prépares très bien. Merci, maman. Bébé, tu sais que je t'aime. Ah, mais J.K. Monsieur? Je t'ai fait venir. Vois-tu, je me suis rendu compte que c'était vraiment un braquage. La police est sur l'affaire. Je voulais juste te dire d'être prêt. Dans une semaine, je te rappellerai. Ok, monsieur. Vous allez me réembaucher? Oui, tu reviendras. Merci, monsieur. Ok. Tu peux disposer. D'accord, monsieur. Merci, monsieur. Prêt dans une semaine, ok? D'accord, monsieur. Je reviens. Merci, monsieur. Je t'en prie. Bien sûr, dans la même lancée. Attends. Je te rappelle. Gambo? Chief Donatus. Ah, Gambo, mon vieil ami. Hein? L'homme qui sait comment bienvenue consommer du bon vin. Bienvenue. Comment tu vas, mon frère? Bien. Monsieur Gambo, une seconde, avant qu'on ne continue. Il y a un garçon que je viens de rencontrer là, avec de la barbe. Pas très costaud. Ok. C'était mon employé, J.K. J.K.? Oui. Qui est J.K.? Il était mon employé. Il a eu un problème, on l'a braqué. Et je l'ai renvoyé. Mais aujourd'hui, je me suis rendu compte que c'était vraiment un accident de travail. Et la police est sur l'affaire, donc j'étais simplement en train de lui demander d'être prêt pour reprendre le travail. Hey! J.K., ton employé? Oui. J.K., ton employé? Oui. Alors comme ça, Dieu t'aide, Gambo, et toi-même, tu refuses de t'aider, n'est-ce comment? Pas? Comment? Gambo. C'est d'une manière ou d'une autre. Ils ont monté un coup ou alors ils ne l'ont pas fait. D'une manière ou d'une autre, eh bien, tu devais, en principe, être au courant. Hein? Ce garçon a dû monter ce coup. Ce garçon a dû comploter quelque chose. Ce garçon est très dangereux. Édiqué? Il m'a servi pendant des années. Je te le dis. Tu sais que je récompense toujours les gens. Oui. Mais j'ai particulièrement récompensé cet idiot de ma deuxième femme. Ce garçon est le plus cruel des êtres humains. C'est un adultérien. Ah. S'il te plaît, ce que je vais te dire, c'est que tu as une très belle femme. Si tu n'éloignes pas rapidement ce garçon, très loin de toi, ce qui arrivera à ta femme, tu n'en reviendras pas. Parce qu'il utilise le charme pour les conquérir. Ejike est très dangereux. Il n'utilise pas seulement sa bouche, il utilise du charme pour les avoir. Donc, Dieu est en train de t'aider pour chasser ce garçon loin de toi. Si tu le vois parler, tu crois que tu as affaire à un ange. Très dangereux. Très dangereux. Je sais ce que je suis en train de te dire. Bagwoso. Dieu essaye de t'aider. Merci, mon frère. Ha! Merci beaucoup. Imonya Nago Munema. Un spécialiste des femmes d'autrui. Ah, ça quoi? Ha! Na. Gambo! Prendre Dike à tes côtés, eh bien ta femme est partie. Il utilise le charme pour coucher avec les femmes des gens. Mais tu plaisantes. Tu dois absolument éloigner ta femme de ce garçon. Tu vois ma petite femme? Hein? Celle-là que tu connais. La fille que j'avais ramenée à la maison pour me donner un enfant garçon. Eh bien, ce garçon a couché avec elle presque toutes les nuits.
Indiqué. Ouais, je t'assure. Donc, mais... je la lui ai donnée comme récompense. Ça s'est passé la dernière fois quand je suis venu à Obuda. Oui. Je suis venu la fois dernière et je l'ai récompensé avec elle. Ah, ah, je suis étonné que tu n'étais pas au courant. Je ne le savais pas. Eh bien, pourtant, tout le monde était au courant. J'ai fait ce que je devais faire. Ce garçon, éloigne-toi de lui. Ne fais rien avec lui. C'est un adultérien chevronné. Le plus grand. Ça, c'est un domaine dans lequel il est vraiment spécialisé. Je merci. Rico. Je merci. Ne dis pas que je t'avais pas prévenu. Je merci. Cette bonne femme. Mais quand es-tu rentré? Eh bien, je suis rentré. Depuis quand là? Eh bien, cela fait 3 jours maintenant. Oh. J'avais envie de voir certains amis. Ok. Je sais que les affaires me prennent oh. beaucoup de temps, tu vois. Donc, j'aurais besoin de oui. 100 sachets de ton nom. Ok, ok. Et je veux aussi comme 20 cassiers de... Les moyennes bouteilles, oui. D'accord, je vois. C'est ce dont j'ai besoin. Ok. Bico, c'est pour ton bien. Pour ton bien. Je ne le ferai pas. J'ai pas garé très loin, alors je vais... Ok, d'accord. Hein? Ok. On se voit demain. D'accord. Non, pas de problème. D'accord. Hey! Edike, je n'en reviens pas. Ah, non. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Hey! Bon après-midi. Bon après-midi, monsieur. Bienvenue. Merci, monsieur. Oui, je me souviens t'avoir dit de revenir, hein? Oui, mais... malheureusement, ce poste n'est plus du tout vacant. Mais, monsieur, vous ne pouvez pas me faire ça. J'ai besoin de ce boulot. Pour nourrir et entretenir ma famille, c'est le seul issue que j'ai, monsieur. Indiqué. Pour maintenir la paix et l'harmonie au sein de ma famille et de mon entreprise... je n'ai pas de place, pas de place pour toi. Et j'ai que les informations que j'ai eues à ton sujet disent que tu n'es pas une bonne personne. Monsieur, je suis une bonne personne. S'il vous plaît, monsieur, je ne suis pas ce genre de mauvaise personne que vous pensez. Je ne suis pas une mauvaise personne, monsieur, s'il vous plaît. Laissez-moi travailler, j'ai besoin de ce travail pour nourrir ma famille, s'il vous plaît. Éduquer. Monsieur, je vous en supplie, éduquer. S'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur. J'ai appris que tu as commis un adultère. Que tu utilises le charme sur les femmes. Et que tu as couché avec la femme de ton boss. Alors pour maintenir la paix et l'harmonie, tant au sein de ma famille et de mon entreprise, je n'ai plus du tout de place pour toi.
Monsieur, c'est... Il y a quelque chose que je puisse faire pour t'aider un de ces quatre, alors je le ferai sans... Ce n'est pas ce que vous pensez. C'est une longue histoire. C'est une longue histoire, oui, mais je crois avoir été clair. S'il te plaît, écoute, tu peux partir, hein. On se reverra prochainement. C'est bon, arrête de crier. Maman. Ne crie pas de cette façon, ne crie pas. Mm-mm. Quand tu cries ici, on peut t'entendre de l'autre côté. Mm-mm. Hein? Ma fille, mm-mm, il viendra nous trouver à l'hôpital. Allons-y, ok? Éduquer! Maman, je ne peux pas te porter. Je ne peux pas te porter haut. Fais un effort pour moi, s'il te plaît. N'oublie pas que je suis déjà prise. Maman. Hein? Et où? Maman. Tu es une femme forte. Maman. Hein? Tu es très forte. Tu es très forte. Viens. Oui, viens, viens. Mmh. Éduquer. Oh. Viens, 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 viens. Je viens. Ne peux pas marcher. Hein? Je ne peux pas. Non, 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 non. Ah. Ne dis pas que tu ne peux pas. Ne dis plus jamais que tu ne peux pas. Je peux. Viens. Ah. Maman. Oui, un pied après. Un pied après. Ouh. Aïe, aïe, aïe. Oh, maman. Mais un pied après l'autre, non? On voit. Ok. Maman. Hein? Ok. Je peux. Il faut que tu sois rapide. Mmh. Éduquée! Maman! Vas-y, doucement, doucement. Maman! Hein? Je peux. Oui, tu peux. Tu peux. Tu peux, oui, tu peux. Okay, on y est presque. Éduquée! On y est presque. Viens, 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 viens. Ça va, d'accord, hein? Viens t'asseoir, viens t'asseoir, viens t'asseoir. Du calme, du calme. Du calme, mon frère, du calme. Mais que se passe-t-il? Viens t'asseoir, viens t'asseoir, viens t'asseoir. Viens, viens, viens t'asseoir. Viens t'asseoir, viens t'asseoir, viens t'asseoir, viens t'asseoir. Assieds-toi, ça va aller, ok? Ta femme va s'en sortir. Calme-toi, doucement, ça doucement, 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 doucement. Bon. C'est doucement. Trop lent. S'il vous plaît, infirmière.
Monsieur, oui, ma femme, s'il vous plaît. Vous aurez des nouvelles très bientôt. Infirmier, en êtes-vous sûr? Hey. Calme-toi, ça va aller, ça va aller. Je suis calme. Ta femme va s'en sortir. Viens t'asseoir. Hey. Allez, viens t'asseoir, s'il te plaît. Viens. Hey. Bon. Calme-toi. Calme-toi, tout ira bien. Calme-toi. Docteur. Oui, calmez-vous. Docteur, ça fait longtemps que je suis là. Mais où est ma femme? Monsieur Odike, votre femme vient juste de mettre au monde un beau bébé garçon. Tineke, mais que dites-vous? Félicitations. Jésus, docteur, puis-je voir ma femme? D'abord, calmez-vous. Attendez. Juste... Permettez-moi d'abord de recevoir votre personne. Allô? Tu vois? Ma femme a couché un beau garçon qui respire. Je te l'avais dit, tu vois maintenant, je te l'avais dit. Je te dis que tout allait bien se passer. Je suis un père. Voilà. Je suis un père. Seigneur voilà, Jésus, tu ne m'as jamais abandonné. Tu vois? Hey. Je te dis que tout allait bien se passer. Oh, mon ami, tu t'en rends compte? Un très beau garçon. Joie, voilà, en pleine forme. Tu es papa. Hey. C'est le papa d'un garçon. Chineke. Super que toi, mon ami. Hey. Seigneur Dieu, je reconnais que j'étais offensé. Je le sais. Seigneur, aie pitié. Seigneur, aie pitié de moi. Je sais que j'ai péché. Je sais que j'ai fait des choses pas bien. Je sais que j'ai péché contre toi. Je sais que c'est pour cette raison que tu me punis ainsi. Aie pitié de moi, ce n'était pas mon intention. Je n'ai jamais voulu tromper mon époux. Je n'ai jamais voulu le faire. Que suis-je censé faire? Que suis-je censé faire? J'étais malheureuse. J'étais traitée comme une moins que rien. Si seulement je m'étais écoutée, Seigneur, je demande pardon, j'ai été ignorante. Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Pardonne mes péchés. Je n'ai pas voulu le faire, Seigneur. Je ne sais même pas comment c'est arrivé. J'ignore comment c'est arrivé. Je ne sais même pas ce qui s'est passé. Comment tout ceci a commencé. Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de moi, je suis désolée. Je suis désolée. Seigneur, je suis désolée. Pardonne-moi. Pardonne-moi. S'il te plaît, pardonne-moi, Père. S'il te plaît, lave-moi de mes péchés. Je regrette ce que j'ai fait. Ne m'abandonne pas, s'il te plaît. Seigneur, s'il te plaît. S'il te plaît, je t'en supplie. Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Fais de moi ce que tu veux, Seigneur. S'il te plaît, Père, je suis fatigué de cette souffrance. Seigneur, s'il te plaît, fais-le pour moi. S'il te plaît, je suis désolé, mon Dieu. S'il te plaît, rends édiqué prospère. Seigneur, aie
Seigneur et toi, je n'ai pas envie d'être une source de malheur pour lui. Peut-être que je ne suis pas encore prête, mais s'il te plaît, si j'ai fait quelque chose de mal, si Ezekiel a fait quelque chose de mal, je t'en prie, pardonne mon Seigneur. Pardonne-nous et rends-nous prospères. Je t'en prie, pardonne-nous. Et rends-nous prospères. Aie pitié de nous. Hey. Je suis tellement contente que vous soyez là, les filles. Tu n'as pas besoin de nous remercier, Clara. Nous sommes une famille. Merci. Nous sommes une famille. On se sent mal après tout ça. Tu sais que tu as toujours compté pour nous. Hey. Nous sommes une famille. Et tu nous manques énormément. Oui. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse toutes les deux. Il te bénisse aussi. Il te bénisse aussi. Je sais que tu as toujours compté sur lui. Il te soutiendra. Je sais. Tu es la meilleure. Tu nous manques. Vous me manquez encore plus. Tout ce qui concerne la maison me manque. Vous. Oh mon Dieu. Il est déjà 16h et je dois être à la maison pour regarder mes séries indiennes. Les séries indiennes et toi? Les hommes indiens sont les plus beaux. C'est ça. As-tu oublié qu'à un moment, papa travaillait avec eux? Ouais. Je m'en souviens, ouais. Ils sont les meilleurs. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'elle court ainsi? Un problème? Que se passe-t-il? Je ne sais pas. Pourquoi cours-tu comme si quelqu'un te poussait? On va y aller, allons-y. On se reverra la prochaine fois. D'accord, allons-y. J'espère seulement. Ouais. Non. Je pense qu'elle le fera. Ezekiel. Tu as effrayé le bébé maintenant. Oh. Que se passe-t-il? Pourquoi couvres-tu? Sais-tu que Ruth vient de me rappeler quelque chose de très très important? Quelque chose comme quoi? Tu te souviens de Monsieur Raj? Monsieur Raj? Ah, ce gars adore danser. Et si ton patron arrive, tu continueras à danser? Attends, il arrive. Monsieur Raj, j'aimerais... J'aimerais au moins que tu sais ce que tu fais. Hein? Et tu sais, on ne parle pas un boss. C'est compris, monsieur. Merci. Je sais. On ne parle pas du tout à un boss. Dis-le lui. S'il te plaît, appelle le chala. Il est venu au monde avec. C'est compris. C'est pour ça que je ne suis pas du tout en colère. Donc, Polo, monsieur, va prendre ce qui te plaît. Hein? Regardez ce truc-là. Regarde, ce truc-là. Je veux savoir si tu importes ton matériel. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vous ai dit que je l'aime tellement. Et celui-ci est bon pour moi. Ouais. Vraiment bon. D'accord. C'est très bien. Sans souci. J'aime Il n'y a pas ça. De souci. C'est le même à mon hôtel. Vous étiez en train de le dire et moi j'ai dit non. J'ai dit non. En fait, ce qu'il y a chez moi, tu verras, tu ne vas pas trouver un truc dans un hôtel qu'il n'y aura pas chez moi. Oh non! Non, ma maison est plus belle que n'importe quel hôtel que tu peux penser. Non, t'as pas compris. En fait, j'aime l'intimité. Et si je veux Ponta. Ah, oui, les patatoda ou les doda. Eh bien, si tu as envie de le faire, alors prends-toi un hôtel. Vraiment? Tu peux même également le faire chez moi. Non, c'est pas évident, tu sais, tu connais les femmes. Tu connais comment sont les femmes. Tu aimes quand ça crie fort. Tu n'as pas idée. Moi aussi, j'aime quand ça crie. Oublie ce que je viens de dire. Même si vous criez n'importe comment, vous pouvez rester chez moi. D'accord, je vais te surprendre. Vous n'allez pas me surprendre. Ok, essaie d'être fixé. J'aimerais te recevoir chez moi pendant une semaine. Tu as toujours été une merveilleuse personne. Oh, merci. Et je ne voudrais pas que tu ailles rester dans un hôtel. Tout ce que tu voudras. Écoute, si tu viens chez moi maintenant, tu te sentiras comme... Je n'ai même pas les mots. Le plus à l'aise possible. Plus que d'aller dans un hôtel. D'accord. Vas-y. Je sais que tu seras surpris. Et mon ordinateur va casser ta télé, hein. Eh bien alors qu'il le casse. Je sais de quoi je te parle. Je t'assure. Ça, c'est performant, ça? Ouais. D'accord. Et Kené, c'est quoi katakatapouta? Hein? Il a dit katakatapouta. Tu vois cet homme, c'est un vilain garçon. Oui? Tu l'adores une femme. Ça, je l'avais pas compris. Je vais les suivre jusqu'à la maison. Arrête. Chut, dégo. Monsieur Raj de l'Inde. Kwami, tu m'entends? Allô? Allô, est-ce que tu m'entends? Kwami, est-ce que tu m'entends? Oh non, mais qu'est-ce qui se passe encore? Je comprends plus rien. Waouh, Monsieur Raj. Oh! Chief,
L'Indien cool. Dangereux. Alors, comment est-ce que tu trouves ma maison? C'est vraiment très, très beau. Hein. On dirait New Delhi ici. Comme à New Delhi. Écoute, tu devrais inviter tout le monde ici, d'accord? Oui. C'est vraiment très beau chez toi. Je suis ravi d'y être. Je t'ai dit que tu allais apprécier. Regarde un peu, tu. Essaie juste de regarder, tu. Tu es venu dans mon pays. C'est à moi de t'accueillir après tout ce que tu as fait pour moi. Tout ce que tu as fait et tout ce que tu es sur le point de faire. Je ne peux pas du tout permettre que tu ailles à l'hôtel parce que je sais que je peux mieux t'accueillir. Tu sais, combien de chambres est-ce que j'ai dans ma maison? Elles sont toutes confortables. 5 étoiles. Je suis très à l'aise ici. Je sais, je veux dire qu'un hôtel 5 étoiles n'est pas n'importe quel hôtel. Je suis en train de parler d'un hôtel rapide. Et le catapulta, elles le savent parce que je suis un gars très rapide. Allez, oublie tout ça. J'aime quand tu fais le bruit. Fais du bruit avec ton tapota. J'aime ça. Oh, c'est très bien, c'est très bien. Et il est joli. J'adore ça. Vraiment? Oh, c'est parfait. C'est très parfait. D'accord. Wow. Bonsoir, monsieur. Très joli. Ta fille, elle est très belle. Non. Ce n'est pas ma fille. Elle, c'est ma deuxième femme. Ah oui, bonsoir, merci. Chief, c'est ta seconde femme? Oui, ma deuxième femme. Oh mon Dieu, elle est très très belle et surtout très très jeune. Tu sais, j'ai d'abord eu une première femme. Elle est décédée alors. J'ai eu trois filles avec elle. Alors, j'ai pris une autre afin que... En fait, j'ai besoin d'une jeune fille qui pourra me donner un garçon. C'est pour ça que j'ai épousé celle-ci. Mais crois-moi, ce que je vois là, elle te donnera beaucoup de garçons. Ah, c'est bon, allez, oublie celle-là. Tu parles trop, tout ce temps. Non, elle ne me donnera pas seulement un seul. Elle me donnera beaucoup d'enfants. Elle me donnera beaucoup de garçons. Ah non, Tiff, je pense que... Non, et même si c'était des filles. Juste un seul, il faut bien les catapulter. Je m'en serais bien le pro, peu importe comment tu l'appelles. Je le mange. Hein? Attends, Tiff, si c'était avec moi... Si c'était moi, j'aurais mangé son catapulta, frappé son catapulta et lui donné un catapulta. Je l'aurais tellement secoué et elle m'aurait donné un enfant mâle. Beaucoup de garçons. Et ma confiance, je t'en apporterai. Après que tu auras apporté la capucha, ou quel que soit comment tu l'appelles, je vais essayer. Ouais, je t'assure. D'accord. Tu vas vraiment essayer. Elle est très belle, ta femme. Elle est comme le miel. Chez le mal. Tu sais, elle me rappelle la déesse de l'eau. Ok. Ouais. Arrête. Je n'ai pas que ça à faire. Allez, oublie ça. Allez, allons-y à la salle à manger. Je crois que là, le repas est prêt. Allez, bah super. Ah, je commençais déjà à avoir faim. Allons-y. C'est du tassajaba. Ah oui. Je sais que tu vas aimer ça. Je peux manger du tage tous les jours. Mais c'est le temps parfois qui me fait défaut. D'accord, merci. Ouais. Je suis sûr que le repas sera succulent. C'est pas faux. Clara! 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 Oui, Tiff. Allez, apporte la nourriture. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Désolée, Tiff. Désolée. Je suis désolée. N'importe quoi. Toujours là à perdre du temps. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Je t'ai dit de faire du riz frais. C'est quoi ça? Du riz. Le riz? Oui. Je t'ai dit du riz frais. Tu es venu sachant que j'ai... Un invité, un étranger, censé manger du bon riz et du poulet. Tu as apporté de la sauce aux fans, c'est ce qu'un Indien est censé manger. Chief, je t'en prie, c'est une dame, s'il te plaît. Je suis désolé. Seigneur, comment peux-tu oser l'appeler femme? Espèce d'idiot. Non, elle n'est pas une idiote. Ne dis pas ça, s'il te plaît. C'est simplement qu'une bonne à rien. C'est bon? Oui, monsieur. Ouais. Super. Bon, je retourne en Inde. Oui. Ok? Oui. Tu as un téléphone là? Oui, monsieur, tenez. Ok, donne-le-moi. Ok, c'est mon numéro privé. Tu pourras m'appeler quand tu le voudras, d'accord? Très bien. Si tu as un membre de ta famille ou quelqu'un selon toi qui peut gérer une affaire parce que je livre du matériel portif, donc si tu as un membre de ta famille, je peux... Le soutenir. Ok, monsieur, merci infiniment, monsieur. D'accord. Que Dieu vous bénisse. C'est rien. J'ai vu la façon qu'il te traite et ça me plaît pas. Et dans mon pays, tu peux pas faire ça à une femme. C'est une femme, c'est pas un animal. Tu comprends? Si tu penses que le mariage n'est pas vraiment ça, tu peux toujours trouver une autre alternative.
Ok, monsieur. C'est juste que c'est pas du tout facile pour moi. Et je ne sais pas par où commencer. Je comprends. Je ne sais même pas où aller. Je n'ai personne. Je suis orpheline, monsieur. Je n'ai personne du tout. Ça va, tu risques de me faire pleurer là. T'en fais pas, tout ira bien, ok? Je vais m'occuper de ça. Pour mon numéro. Je l'ai, monsieur. Merci infiniment, ça me touche vraiment. C'est rien. Merci. Hé, vas-y, appelle-le, qu'est-ce que tu attends? Attends, okay, ton téléphone. Ici? Oui, attends. Hey! Dis-moi, tu l'as? Hey! Tu n'es que toi, Kédio. Bébé, dépêche-toi, non? Laisse-moi finir de composer son numéro. Bébé, dépêche-toi, ça pourrait être notre chance. T'inquiète pas, attends. Laisse-moi composer son numéro. Hey! Hey, ce réseau. Essaye encore. Ça dérange. Ce n'est pas le réseau, essaye juste encore. Bébé, fais-le, non? Fais-le. Ça sonne. Bonjour, monsieur. Monsieur, j'ai appris qu'Edike et Clara viennent d'avoir un enfant. Monsieur, ils viennent juste de m'envoyer la photo et le sourire du bébé ressemble au vôtre. La ferme, espèce idiot. Tu as perdu la tête. Désolé, monsieur. Idiot. Désolé, monsieur. Sache que je me retiens vraiment parce que ta mère m'a dit que tu as tendance à souvent perdre la tête de temps en temps quand il s'agit de dire des bêtises. Sinon, je t'aurais pris comme un fou et sache que jamais tu n'aurais été mon employé. Désolé, monsieur. Espèce de salaud. Oui, monsieur. Quel sourire? Non, quel sourire ressemble au mien? C'est quoi cette espèce de magie? Idiot. Désolé, monsieur. Et puis quoi encore? Allô? Quoi? Fadel? Monsieur. Qu'est-ce que tu disais tout à l'heure? Qu'est-ce que tu as dit? Monsieur, votre conteneur a disparu en l'eau, je veux pas. Quoi? Non. Quoi? Je dis quoi? Oui, monsieur, votre conteneur a disparu. Mon conteneur a disparu? Hé! On ne le retrouve pas! Ekane! Ah! Monsieur, Kif! Désolé, monsieur, s'il vous plaît. Ah! Désolé, Chief. Chief. Désolé. Chief. Non. Ça va aller. Chief. Désolé. Quoi? Pas ça. Hey. Monsieur Pastine ici. Hey. Que se passe-t-il ici? Papa? Tu vas bien? Qu'est-ce qu'il y a? Papa! S'il vous plaît, vous devez vous calmer. Je viens de lui administrer des médicaments. Il s'en remettra très bientôt, ok? D'accord, merci docteur. Il va bien. C'est gentil, je lui parlerai plus tard, ok? Paul, qu'est-ce qu'il arrive à mon père? Mais parle-nous, non? C'est une longue histoire. Paul, où est-ce que tu vas? Paul! Dis quelque chose. Parle-nous. Paul! Nous ne sommes pas des étrangers. Paul! Paul! Paul, où est-ce que tu vas? Paul! S'il te plaît, dis-nous. S'il te plaît. Hey, patron, s'il te plaît, ne meurs pas, oh. Paul, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est, Polo? Polo, parle-nous, qu'est-ce qu'il y a? Que s'est-il passé? Dis quelque chose. Polo, qu'est-ce que c'est? Vas-y, parle-nous, non? Qu'est-ce qu'il y a, s'il te plaît?
Tu commences à nous faire peur. Brinise les conteneurs de ton père. Les conteneurs quoi? Conteneurs quoi? Quoi non? Conteneurs quoi? Vas-y, parle. Conteneurs quoi non? Conteneurs quoi? C'est quelque chose. Les conteneurs de ton père ont coulé au fond de la mer. Quoi? 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 Non, ce n'est pas vrai. Polo, reviens ici. Polo. Ce n'est pas possible, c'est un mensonge. Monsieur Donatos, nous sommes venus réclamer le prêt que vous avez contacté auprès de notre banque. Le délai a déjà expiré. Mais, monsieur, je vous ai déjà dit que j'allais payer cet argent. Donnez-moi juste un peu de temps. Juste un peu de temps. S'il vous plaît, monsieur. Le délai qu'on vous a accordé a déjà expiré. C'est à vous maintenant de respecter votre part du contrat. Je le ferai. Monsieur Donatus, vous avez exactement une heure pour rembourser ce prêt. Sinon, vous en payerez les frais. Je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre. Ça, c'est être méchant. Comment ça, une heure? Ok, je vous en prie, donnez-moi 24 heures pour que je puisse passer quelques coups de fil et voir ce que je peux faire. Monsieur Donatus, s'il vous plaît, avec tout mon respect, vous devez libérer les lieux dans un délai d'une heure. Si c'est dans une heure que vous n'avez pas remboursé votre crédit comme convenu, nous reviendrons avec les forces de l'ordre. Merci infiniment, monsieur. Je vous en prie, monsieur, faites ce qu'il faut faire. Merci. Hey! Qu'est-ce que c'est? Est-ce que je rêve? Que quelqu'un me réveille de ce rêve. Hein? Suis-je en train de rêver? Qu'est-ce que c'est? Hey! Odogwana! 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 Papa? Papa? Qu'est-ce que tout ceci signifie? Que font nos secs dehors? Papa? Pourquoi le portail est fermé? La banque a saisi notre maison et ils ont collé un bout de papier sur le mur. On s'est fait expulser. On s'est fait expulser. Papa, je ne comprends pas. Nous ne pouvons plus entrer dans cette maison. Elle ne nous appartient plus. Nous n'avons plus de maison. Je ne comprends pas comment. Et qu'en est-il des voitures? Et tout? Tout est parti. Les intérêts de cette dette sont vraiment énormes. Vraiment très énormes. Donc, ils prendront tout ce qu'ils voudront. Entièrement tout ce qu'ils voudront. Tout ce qu'il nous reste maintenant. Je vous le dis. Ouais. Papa. Vous savez ce que ça veut dire? Ok, qu'allons-nous faire à présent? On n'a pas d'argent à la banque, qu'allons-nous faire? Allons-nous nous asseoir ici? Daisy, ma fille, je pense vraiment que c'est la fin de ma vie. Tu sais ce que veut dire? Dis, conteneur de 40 pieds, couler. Dis! Je crois qu'après ça, je ne mourrai plus. Je survivrai et je ne sais pas ce que le diable attend de moi. 10 conteneurs de 40 pieds. Couler, tu sais ce que ça veut dire? Et en même temps, je ne savais pas que j'étais en train de faire la plus grosse erreur de ma vie et je ne savais pas que le diable m'a poussé à le faire dans le but de me rendre zéro. Regarde-moi. La première fois de ma vie que je me retrouve dans un tel risque. Je ne comprends pas tout ce que tu racontes. Je ne comprends pas. Donc tu veux dire que je ne peux pas être pauvre? Je ne comprends pas. Et qu'allons-nous faire?
que je dise de plus. Je retournerai de là, Ikwenyak à Lié. Non! Mais que vais-je? Que vais-je raconter à mes sœurs? Nous allons aller à l'eau. Nous devons aller à l'hôtel maintenant. Dis-le-leur. J'ai besoin d'avoir les idées en place. Ensuite, je saurai quoi faire. Alors, dis-le à tes sœurs. Dis à tes sœurs que nous sommes expulsés de la maison. Hein? C'est tout ce que je peux faire pour l'instant. Pour l'instant. Et toi, Ngozi? Monsieur? Va la chercher un tricycle. Pour que le tricycle vienne porter tout ceci et nous conduire à l'hôtel. Quelqu'un, monsieur, on s'en va. Va chercher un tricycle. Que vais-je dire à mes amis? Moi, je prends pas le kéké. Je ne suis jamais entrée dans un kéké. C'est quoi tout ça? Allez, lève-toi. Oui, les chaussures. Très bien. Bébé, c'est Diké, je sais que c'est ton fils. Et oh, allez, regardez le plus beau garçon. C'est qui le plus beau garçon? Ouais, c'est toi. Il est mignon, n'est-ce pas? Comme son père. Regardez, David. C'est ça. Tcha 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 tcha. Tcha tcha tcha. Mon bébé, reviens ici. Ouais. Où est-ce que tu vas? Viens. Tcha 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 tcha. Ya. Oh, ah, ah, ah. Ya, ya. Tu montes aussi? Ya, ya, ya. Ya. Tu donnes un peu. Allez, ça. Bois. Hein? Tiens-le. Encore un peu. Hey, donne super. À ton frère. Donne à ton frère. Donne pour moi. Très bon. Donne pour ton frère. Donne-lui. Allez, donne-lui. Donne pour ton frère. Ne sois pas vilain, donne pour ton frère. Donne-lui. Grand frère, il n'en veut pas. Il n'en veut pas. Thierry? Oui, bébé. Que fais-tu assis là? Dis-moi, tout va bien? Rien de grave. Je pensais juste à notre vie passée au village. Honnêtement, je ne savais pas que Dieu pouvait nous bénir à ce point. Tout vient à point nommé à celui qui s'y attend. Approche. Alors, je me souviens qu'au village, j'avais l'habitude de te dire une chose. N'abandonne pas un jour, tout finira par s'arranger. Mais tu ne m'as jamais cru, je sais. Mais non. Tu sais quoi? Oui, bébé. J'ai toujours cru en toi. Tu le sais, n'est-ce pas? Oui, mais là, je ne sais pas comment le dire. La tristesse était notre quotidien. Mais c'était de trop. Vraiment de trop que j'ai même perdu espoir. C'est ainsi que nous vivrons le reste de nos vies. Mais Dieu, avec sa seconde chance, est venu de nulle part et a changé notre histoire. Pour le bien. Tu me rappelles que tu disais moins de choses. Est-ce qu'il ne va pas avec toi? Maman a fait ceci, maman a fait cela, maman a fait ceci. Arrête ça. Arrête. Mais finalement, en passant, maman, as-tu de ces nouvelles? Maman m'a appelée hier. Vraiment? Elle dit que, vous me manquez. Les enfants me manquent. Hey, tu sais, j'ai aussi parlé avec elle hier. Elle me disait, ramenez les enfants en Amérique. Je veux voir mes enfants. Et moi, je disais, maman, ils arrivent. Maman, ma joie est que maman a totalement guéri. Qu'elle soit complètement guérie à présent, qu'elle ne tombera plus jamais mal. Je remercie Dieu pour la technologie. Dieu merci. Alors, préparons-nous à aller voir maman bientôt. Allons d'accord. Passer du bon temps dehors. Ça te dit? Où sont les enfants? Encore endormis. Encore couchés? C'est bien, il ne reste plus que toi et moi.
Toi et moi pour la vie, bébé. Mmh. Tu sais que je t'aime. Moi encore plus. Je... Oula. Allez, Dieu, avance. Hey, laisse cette voiture. J'ai dit laisse cette voiture. Beau garçon. Maintenant hors de ma vue. Beau garçon. Dégage. Tu penses que c'est ton fils? Beau garçon. Va le remettre à son père. Tu n'es pas son père. Va le remettre à son père. Chérie, mais de quoi est-ce qu'il parle? Je ne comprends pas. Laisse-moi conduire. Laisse-moi conduire ma voiture. Docteur. Monsieur Idike, le test a bel et bien été effectué. Oh, waouh! Merci infiniment, docteur. Merci, docteur. Alors, que disent les résultats à propos de cela? Votre test ADN n'est pas compatible avec celui de votre fils. Docteur, que voulez-vous dire? Docteur, êtes-vous sûr que vous avez bien effectué le test? Je l'ai bien fait. Oh, waouh! Ah. Chérie, je pense qu'il doit y avoir une erreur. Je pense que ces résultats sont faux. Je ne peux pas l'accepter. Moi aussi, je pense qu'ils sont faux. Y a-t-il quelque chose que tu ne me dis pas? Je n'arrive pas à comprendre. Je suis confuse. Ok, que penses-tu que nous pouvons faire pour le confirmer? Je ne sais pas, peut-être que nous pouvons appeler Brennis pour avoir les cheveux de Monsieur Donato. Je ne sais pas moi, pour faire un test ADN. Ok, laisse-moi l'appeler. Bonjour. Papa, bon après-midi. Oh. Bon après-midi à toi, Ada. Comment tu vas? Je vais bien, papa. Papa, tiens. Qu'est-ce que c'est? Un test ADN. Je ne comprends pas. La Clara que tu as chassée, l'enfant qu'elle portait, s'avère être le tien. Pensez-y. Eh bien, comment peux-tu dire une chose pareille? Mais je n'ai fait aucun test. Ezike et moi l'avons prévu. Papa, c'est ce qui a été utilisé
pour faire le test. Je pense que j'ai fait ce qu'il fallait. S'il te plaît, ne pleure pas. Alors, il y a eu un malentendu. Je ne pouvais pas savoir que j'ai un fils qui me ferait me sentir un vieux. Anna Nema, il est là. Ah, Dieu, pourquoi? Papa, ce qui est fait est fait. C'est fait, on n'y peut rien. Hey! Elle a enduré tout ça alors qu'elle n'a rien fait. Quel idiot. T'es un idiot. Hey! Alors, tu ne peux pas saluer les gens. Tu passes juste comme ça. Hein? Saluer qui? Te saluer? Regardez-moi ce bon à rien. Oh, tu penses que je ne sais pas comment tu maltraitais les enfants des autres? Tu les maltraitais quand tu vivais la grande vie en ville. Billionnaire en Yewe Cash. Tu ne savais pas que la roue tournerait? Attends, je vais te saluer. Bon à rien. Maintenant, tu es au village. Tu es redevenu pauvre. Même pour tout l'or du monde. Je ne te saluerai jamais. N'importe quoi. Hey. C'est à ce point-là. C'est déjà à ce point-là. Brennan, je suis mal à l'aise. Je suis vraiment mal à l'aise. C'est juste parce que tes sœurs et toi aviez insisté que je dois venir ici. Hein? Vous ne pensez pas que Kejike pourrait me faire du mal? Je veux dire, il pourrait même me chasser hors de cette maison. Non, papa. Non, papa. Clara et Kejike sont des personnes merveilleuses. Ils ne sont pas comme ça. Ils ne sont pas comme ça. Alors, faut te reposer et les attendre. Franchement, j'ai vraiment très peur d'eux. Oh, ma fille, je ne sais pas. Mais si tout le monde insiste, je ne peux qu'attendre. Lâche ça. Hey, Ejike. Ejike. Apotongongwam. Apotongongwam. Wow.
Wow. Édiqué. Comment allez-vous? Ça va? Soyez les bienvenus. Apotons-moi. Édiqué, s'il te plaît, laisse-moi m'agenouiller. Non, c'est bon. Lève-toi. Non, laisse-moi me mettre à genoux. Lève-toi, ne fais pas ça. Tu vois, je ne sais pas comment le dire, Édiqué. Je ne savais pas que je pouvais encore venir auprès de toi et que tu puisses m'accepter ainsi que toute ta famille. Je ne sais pas. Je suis désolé. Je sais tout ce que j'ai eu à te faire. Tout ceci à cause d'un excès de méchanceté. Oui. Tu sais, l'orgueil de l'homme à cause de cette chose que j'ai eue. Cette nuit, quand j'ai entendu la voix de ma... Tu sais... Passé ce jour, Kif, tu m'as traité comme une moins que rien. Kif, tu m'as fait perdre confiance en moi. Désolée. Parfois, j'avais envie de me suicider à cause de ta méchanceté à mon égard. Pourquoi? Désolée. Pourquoi me traitais-tu ainsi? Parce que ma méchante tante t'a demandé... Désolée. Ma méchante tante t'a demandé de faire de moi ce que tu voulais. Et tu y as fait ce qu'elle t'a demandé de faire. Parce que je suis une orpheline, Chief. Chief, j'ai été si gentille, soumise et loyale. J'ai toujours fait tout ce que tu voulais. Chief, j'ai fait tout ce que je pouvais pour te rendre heureux. J'ai tout fait pour que tu m'acceptes. Qu'est-ce qu'il fallait? Clara, c'est bon. Chief, pourquoi tu m'as fait ça? Demande-lui pourquoi il m'a fait ça. Désolée. Tu m'as tellement blessée. J'ai perdu confiance en moi. Tu m'as fait douter de moi. Chief, une orpheline comme moi, tu n'as pas pu me donner de la joie. De l'amour, de l'attention, rien de bon venant de toi. Tout ce que tu as pu me donner, c'est que de la méchanceté. Tu as raison. Demande à Édiqué ce que j'ai vécu. J'avais perdu tout espoir au point où je voulais me suicider. Oui, je voulais me suicider. Oui, je voulais tout quitter. Calme-toi. Ne t'inquiète pas. Ça va, c'est bon. Ça va aller. Je te pardonne. Ah, merci. Mes yeux, merci, cet enfant est le tien. Dieu merci, cet enfant est le tien. C'est bon. Pardonnons. Porte ce que tu nous as fait. Merci. Voici ton fils. Je ne sais pas quoi dire. C'est ton fils. Le fils dont j'ai rêvé toute ma vie. Tellement me manque. Oui, c'est ton fils. Hey, mon fils. Le fils dont j'ai cherché toute ma vie. J'avais perdu espoir d'avoir un fils. Oui. Non, c'est mon fils. Oui, c'est ton fils. C'est mon fils. Je ne peux pas le croire. Ok. Après ça, nous avons eu notre propre fils. Le voici. Oh mon Dieu, ça c'est bien. Oh mon Dieu, il est trop mignon. Enceint. Ah ouais. Avant que je n'oublie, ça c'est pour toi. Pour moi? Oui. Pour moi? J'aperçois un cadeau. Ceci est ta nouvelle voiture. Oh mon Dieu! Bon, on est même tout allé. Beaucoup! Et autre chose, j'ai eu ton numéro de carte grâce à ta fille. Donc, je t'ai envoyé une somme de 15 000. C'est pour toi. Je vous en prie. Nous sommes riches. Tu es un grand homme. Utilise cet argent comme bon te semble, ok? Bien sûr. Ah, une autre surprise. J'arrive, excusez-moi. Une surprise. Merci, papa. Monsieur Ravi. C'est moi. Namasté, namasté. Quoi? Tout le monde. C'est bon, je suis là. Je suis venu tout droit de l'Inde pour cette célébration. Ouais, c'est bon, fais pas ta tête. Je suis là, regarde. Oh, non. Bref, Chief, c'est grâce à lui que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Ah, non, dis pas ça. C'est pas moi. Dieu m'a utilisé pour vous bénir, d'accord? En donnant toute la gloire à Dieu. Ok, maintenant, laissons tout ça derrière nous. Ce qu'on va faire maintenant,
On va tous sortir pour aller dîner. Je ne peux rien entendre. Chanter, danser. Allez, on y va, on y va. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le igbo, le twi, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que du contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram aforevo.dobbing, sur notre site web www.aforevo.dobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement.